Mes chers collègues, je vous invite à regagner vos sièges et pendant toute la séance, je vous demanderai de ne pas circuler dans l'hémicycle. Et si vous avez à vous déplacer pour des motifs individuels, de le faire en passant par les côtés. Voilà. On reprend nos... Je ne sais pas s'il faut dire les bonnes habitudes, j'en sais rien, mais... Je vous remercie. Et je continue d'ailleurs, avant d'entamer cette séance, le rappel des consignes sanitaires. Je vais commencer par les conseillers en présentiel. Le port du masque est obligatoire tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'hémicycle du Conseil régional. Et je veillerai particulièrement à ce que vous les gardiez devant le nez et la bouche, s'il vous plaît. Gérard, je veux bien que tu mettes le masque. Je te remercie. Le gel, vous avez du gel hydroalcoolique à votre disposition à l'entrée de l'hémicycle. Et je vous assure que les sièges, tablettes et micros ont tous été désinfectés avant votre arrivée. Et j'insiste, je vous demande de conserver votre masque pour parler dans les micros fixes, comme je le fais là, actuellement. Voilà. Un rappel à destination des conseillers qui nous suivent et qui, évidemment, pourront intervenir. Merci de vérifier que votre connexion à la plateforme ProVote fonctionne, car il y aura des votes, à commencer par le premier d'ailleurs, une élection, grâce aux identifiants de connexion reçus sur votre adresse Césaire. Si vous avez la moindre question, vous avez la possibilité de contacter la hotline dont le numéro vous a été communiqué par mail lundi. Donc dans votre fil de mail, mardi, lundi, vous devez avoir ce message. Et je signale également que l'émargement en ligne était ouvert depuis 9h45 et que ceux qui ne l'ont pas fait le fassent. Pour le calcul du quorum, je rappelle, même si c'est toujours la même règle, hein, mais il est bon de le rappeler, que le Césaire ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice est présent. Ça, c'est l'article 15 du règlement intérieur. Mais ce quorum s'apprécie pour chaque vote et pas seulement en début de séance. Pour les conseillers en distanciel, il est important de suivre les débats en direct car vous ne recevrez pas de message pour vous informer à quel moment voter. Et je précise d'ailleurs que pour le calcul des indemnités de votre mandat, si un conseiller d'aventure indiquait qu'il est présent mais ne participait à aucun vote, nous le considérerons comme absent. Madame la vice-présidente du Conseil régional chargée des finances, chère Virginie Carollo-Lutreau, mesdames et messieurs, mes chers collègues, Madame la vice-présidente, bienvenue au Césaire. Cette assemblée singulière, décriée par ceux qui ne la connaissent pas forcément, critiquée par ses rapports et études jugées parfois insipides, par ceux qui ne les lisent pas et reconnus par ceux qui ont fait la rencontre avec notre Assemblée comme étant sérieuse, pertinente et beaucoup plus préoccupée par l'avenir que par l'instant, beaucoup plus préoccupée par le temps long que par l'événement. Le Césaire est un lieu d'exercice de démocratie permanente alors que notre monde agit par spasme. Et je profite de votre présence, Madame la vice-présidente, et on se l'est rappelé lors de notre salut tout à l'heure. Nous nous sommes vus pour la première fois, il me semble que c'était la première, à Port-Jérôme. Je venais y animer avec Emmanuel Jean Desmangal. Oui, je sais.
J'en démangue un débat sur, dans le cadre du grand débat. Et notre soirée restera dans ma mémoire, et je pense aussi d'Emmanuel, et peut-être aussi dans la vôtre, qui fut significative, cette participation. Il y avait du monde. Et parce que c'était aussi le début d'un processus qui entraînera les membres du groupe de travail dans 31 autres débats tout au long de ce mois de février 2019, 32 débats en 28 jours. Le rythme fut soutenu. Et nous avons donc, avec des personnes qui venaient à ces débats, vécu leurs expériences, ont montré également leurs expertises d'usage, comme on appelle cela en développement local, et y compris d'ailleurs des gens qui venaient avec les gilets jaunes et s'étaient mis en fond de salle à Port-Jérôme, en bloc, pour bien montrer qu'ils étaient là. Et j'ajoute le « y compris » en citant les gilets jaunes, car beaucoup n'auraient pas parié sur leur participation, ni même sur l'acceptation d'application de règles pour un bon déroulé des débats. Et je crois qu'à Port-Jérôme, dont vous êtes la maire, et dans les 31 autres territoires, nous y sommes parvenus. Bienvenue au Césaire, et je souhaite que les relations que nous aurons soient de même qualité qu'avec votre prédécesseuse ou prédécesseur. Et également, petit message à Serge Tougard, qui était le plus souvent présent. Et je sais que le bureau de la 6e commission, ainsi que le rapporteur général du budget, y veille, et déjà d'avance, je les en remercie. Mes chers collègues, nous sommes à nouveau plongés dans l'incertitude. Le déroulement de cette séance en est l'illustration. Le variant Delta reprend de la vigueur pendant qu'un nouveau, Omicron pour les hellénistes, Omicron pour les non-hellénistes, sévit sans que le monde scientifique ne le connaisse encore vraiment, même si chaque jour de nouvelles informations nous parviennent. Incertitude alors que les feux se mettaient au vert les uns après les autres, un chômage en baisse, une activité économique à la hausse, sans pour cela effacer les questions non résolues, celles d'entreprises encore en difficulté, celles concernant les 5% de la population la plus pauvre et aujourd'hui un peu plus pauvre encore qu'à l'automne 2019. Nous pourrions considérer que la cinquième vague provoque les mêmes incertitudes que les quatre autres, même si une certaine accoutumance existe. Mais précisément, cette accoutumance provoque de nouvelles incertitudes. Le variant Delta, à l'origine de la cinquième vague actuelle, va-t-il être aussi agressif ? Le variant Omicron, j'ai vécu avec une helléniste, en terrassant Delta, sera-t-il pire que son prédécesseur ? La saturation des services hospitaliers, prévisible et pas certaine, peut-elle conduire à un nouveau confinement ? Et même s'il n'y a pas de confinement, ce que chacun espère, le retour au télétravail est-il certain ? À la longue, les gestes barrières vont-ils toujours être respectés ? Et le vaccin, à partir de quand ? De combien de rappels ? De quel taux de vaccination nationale, européen, mondial peut-il enfin être efficace ? Et si, finalement, presque par fatalité, il nous fallait nous convaincre de vivre avec, jusqu'à l'extinction ou non de la Covid. L'état de sidération est derrière nous. L'inquiétude, elle, est toujours aussi palpable en chacun de nous. Malgré cet état d'incertitude et d'inquiétude, il ne faut pas que nous cédions à la surenchère protectionniste. Oui, nous devons être exemplaires. Oui, nous devons appliquer les gestes barrières. Oui, nous devons protéger les plus fragiles d'entre nous en maintenant des réunions à distance.
Mais le Césaire serait-il exemplaire à vouloir reprendre toutes ses activités en distanciel comme au moment les plus difficiles de la pandémie? Ma position de président du Césaire de Normandie est la loi, toute la loi, mais rien que la loi. Que gagnerions-nous à vouloir être plus royalistes que le roi? Que penseraient de nous les travailleurs qui n'ont pas d'autre choix que de venir pointer chaque jour? Que penseraient de nous les entrepreneurs, les indépendants, qui n'ont pas d'autre lieu de travail que ceux habituels et pour lesquels le télétravail est tout simplement impossible ou synonyme d'inactivité avec les conséquences financières que cela engendre? Par conséquent, c'est à chacun d'entre nous d'agir en conscience, du moins, je le répète, tant qu'un décret, un arrêté, ne nous oblige collectivement à agir de façon normée. Car pendant ce temps-là, la vie continue et le Césaire doit être audible. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'une campagne présidentielle est en cours et que depuis le mouvement des Gilets jaunes, nos débats de société sont traversés par une question récurrente. Comment réinventer la démocratie? Car le fossé grandit entre les citoyens et les gouvernants. Chacun émet des solutions pour enrayer l'abstention et pourtant rien ne résiste à son expansion. À l'écoute des expressions des citoyens, les présidents des Césaires de France identifient notamment les attentes suivantes. Il est nécessaire de disposer d'un relais d'expression représentatif, d'être entendu au plus proche des territoires. Il est nécessaire de connaître et comprendre le sens de l'action publique, comment sont réellement déployées les politiques publiques et en quoi elles répondent aux attentes du quotidien des citoyens. Et il est nécessaire d'apprécier la pertinence et l'efficacité des politiques conduites. Et je ne suis pas sûr que les deux initiatives concurrentes en matière de développement de l'hydrogène, avec d'un côté les villes du Havre, de Rouen et de Paris, et de l'autre les régions d'Île-de-France et de Normandie, soient particulièrement compréhensibles et même pire, efficaces. Le gouvernement a tenté d'apporter des réponses à ce besoin de participation citoyenne, en organisant le grand débat national, en réformant le CESE, en convoquant une convention citoyenne pour le climat. Dans les collectivités territoriales, et singulièrement dans les régions, les initiatives des exécutifs se multiplient pour tenter de répondre à ces attentes. Césaire de France rappelle que le modèle démocratique républicain se base sur plusieurs notions. Légitimité, représentativité, indépendance, mais aussi temps disponible de prise d'information et de débat, organisation de délibération et permanence de l'expression. Et ceci concerne tout autant la démocratie représentative que la démocratie participative ou autrement nommée, et que je préfère, la démocratie contributive. Entre certitude, espoir, limite et illusion démocratique, la participation citoyenne directe est présentée comme l'une des voies pour réduire le fossé et pour faciliter la compréhension des citoyens vis-à-vis de l'action publique. L'histoire politique française et les expériences contemporaines rappellent les limites de la participation citoyenne directe confrontée à de nombreux écueils. Érosion, voire absence de représentativité, gestion de l'impartialité, garantie du respect de la parole des minorités, respect du principe de laïcité, gestion de l'influence des experts, etc. Au lieu de faciliter la compréhension, la participation citoyenne directe, si elle est mal faite, peut générer de l'incompréhension et créer de la frustration parmi les participants. L'exemple récent de la réaction des membres de la Convention citoyenne pour le climat suite à la transmission de leurs propositions à la représentation nationale à l'automne 2020 a illustré cette frustration. Césaire de France rappelle que, quelle que soit la place donnée
à la démocratie participative, la décision finale revient aux représentants élus. La démocratie ne peut pas, ne doit pas se résumer en une confrontation directe entre les citoyens et leurs élus. Pour permettre aux citoyens d'adhérer à une démarche collective, il est nécessaire de maintenir une structure qui remet les corps intermédiaires au cœur du processus démocratique en respectant leur diversité, leurs différences et par conséquent leur richesse. L'organisation et la structuration des corps intermédiaires constituent finalement la condition sine qua non d'une expression citoyenne qui pèse dans le débat public. Les Césaire incarnent, par leur existence, la valeur ajoutée de l'expression citoyenne régionale. D'abord parce que c'est une institution représentative de la société civile régionale. Il faut rappeler partout que la représentativité des Césaire est fixée par la loi et sous l'autorité du préfet de région. Les Césaire maillent finalement la société civile dans toutes ses dimensions catégorielles et territoriales. Représentatifs, ils veillent au respect de la parité ainsi qu'à la cohésion entre les milieux urbains et ruraux. En ce sens, ils sont les acteurs d'une démocratie équilibrée et apaisée. Le 1er décembre dernier, une délégation de Césaire de France a rencontré Patrick Bernasconi, l'ancien président du CESE que nous avions accueilli dans cet hémicycle, dans le cadre donc de sa mission que le Premier ministre Jean Castex lui a confiée sur la démocratie participative. Nous avons émis trois préconisations que j'aimerais vous faire partager sans pour autant les développer. Première préconisation, faire des Césaire les pivots des consultations citoyennes en région, en concertation avec les exécutifs régionaux, dès lors que ces derniers mettent en place des dispositifs de consultation citoyenne, et ceci au nom de notre compétence en matière d'évaluation des politiques publiques. Deuxième préconisation, élaborer un programme d'évaluation des politiques publiques en région, en concertation entre l'exécutif régional et le Césaire. Ce programme d'évaluation doit se mettre en perspective sur le long terme. Pour cette raison, les Césaire de France demandent que les Césaire soient reconnus pour leurs compétences en matière de prospective. Préconisation numéro 3, organiser la réponse de l'exécutif régional aux alertes émises par le Césaire. Autrement dit, nous demandons que, par la loi, l'exécutif régional ait l'obligation de répondre aux préconisations émises par les Césaire, et ceci, quelle qu'en soit son appréciation, et de, évidemment, motiver ses réponses. En contrepartie, il faut toujours des contreparties, de ces trois préconisations, l'engagement des Césaire de France, je le rappelle, regroupe les présidents des Césaire, et le suivant, chaque Césaire, en concertation avec l'exécutif régional, est doté des moyens nécessaires, s'engage à renforcer la prise en compte de l'expression citoyenne directe dans ses travaux. Il y a urgence à réconcilier le citoyen et le politique. Et les Césaire peuvent répondre à cette urgence. Il y a urgence, comme lors du mouvement des Gilets jaunes, car rien n'a été résolu. Le politique avait cru éteindre le feu, mais ce dernier ne faisait que couver. Nous devons nous engager pour que le politique ne s'encouvre pas dans une fuite en avant qui compromettrait la démocratie dans son ensemble, y compris son socle, j'ai nommé la démocratie représentative. Si, parce que nous aurions échoué, un président ou une présidente de la République était élu sur un programme de destruction de nos institutions, les corps intermédiaires seraient entraînés dans cette destruction. Par essence, un pouvoir totalitaire veut tout contrôler.
Pour y parvenir, il n'autorise que les organisations qu'il a lui-même fondées. Nous n'avons aucun intérêt à cela. Nous pouvons toujours considérer que tel ou tel extrémiste n'a aucune chance de gagner au second tour, même si il ou elle a toutes les probabilités de se qualifier à l'issue du premier tour, car après, le il ou elle n'a aucune chance de gagner au second tour, nous ajoutons tous, du moins pour cette fois-ci. Et je ne vois donc aucun intérêt à jouer à la roulette russe, car à chaque essai, nous savons qu'il y a une balle dans le barillet. Cela pourrait être notre chantier le plus risqué, le plus aride, le plus âpre. Mais je pense qu'il nous est indispensable. Cette fois-ci, ce n'est pas un exercice d'introspection sur le Césaire, mais bien un travail collaboratif avec le politique de toute tendance, dès lors qu'il se réclame des valeurs démocratiques auxquelles nous sommes contraints ou invités. Lorsque j'entends un candidat terminer un discours par « Vive la République !» et surtout, ajoute-t-il, surtout, répète-t-il, « Vive la France !» je ne peux qu'en conclure que la République est en danger. Tout cela serait insensé, serait grotesque, si ce n'était pas redoutablement d'actualité. Et ni si d'aventure, ce candidat avait un certain succès. Sur ces paroles, peu optimistes, je vous remercie de votre attention. Madame la vice-présidente, vous êtes là pour la première fois. Souhaitez-vous vous présenter et puis commenter ce que vous souhaitez dire. Écoutez, je suis ravie d'être là ce matin, effectivement. Il essaye déjà de nous couper le micro. C'est contradictoire avec le discours précédent, hein, quand même, monsieur le président. En tout cas, ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Effectivement, je ne connais pas bien l'instance du Césaire. Je suis très curieuse de suivre vos travaux. Je suis plutôt heureuse de représenter le président Morin ce matin. Vous l'avez évoqué, monsieur le président, on s'est croisés au début d'année 2019, en janvier, lors des débats que nous avions organisés pour... je ne crois pas que c'était une réaction aux Gilets jaunes, mais je crois que c'était une nécessité, de toute façon, d'organiser ces débats. J'étais moi-même encore en débat sur tout le projet de territoire, encore hier soir. Un peu comme vous, en disant, tant qu'on n'a pas de moment de festivité, on continue à se réunir et à travailler. Je crois que je partage votre avis là-dessus, même si notre responsabilité, c'est d'être le plus prudent possible et de bien respecter les règles. Le débat que vous évoquiez là est pour nous vraiment essentiel. Ce qui fait que par rapport à vos préconisations, peut-être je vais revenir en arrière et me présenter, parce que vous avez défloré un peu mon pédigré. Je suis maire de Port-Jérôme-sur-Seine. Donc c'est notre homme de Gravenchon, c'est entre le Havre et Rouen. Donc je suis aussi au cœur de la polémique où entre deux chaises autour de l'hydrogène, vous l'avez évoqué tout à l'heure. J'y reviendrai pas, c'est pas le sujet du jour, mais vous avez entièrement raison. Je suis aussi présidente de Cossène Aglo. Donc c'est une agglomération de 80 000 habitants, assez ancienne. Hein, l'intercommunalité existe depuis 66, qui est issue d'une fusion de plusieurs territoires. D'ailleurs, le territoire de Cossène Aglo abrite 5 communes nouvelles. Donc c'est quand même une démarche un peu particulière sur notre territoire qui a œuvré, et ça me permet de rebondir à votre discours, sur la base des prospectives. Dans notre territoire, s'il y a autant de communes nouvelles, s'il y en a autant finalement en Normandie, c'est qu'on a cet esprit de prospectivisme qui, je crois, anime les travaux du Césaire et qui devrait animer tout responsable politique. En général, notre rôle, c'est de viser à long terme tout en gérant le local et l'instantané, mais c'est de pouvoir gérer nos institutions à plus long terme. Et c'est un petit peu vos remarques, d'ailleurs, notamment concernant le budget de la région, que je vais écouter avec attention. Alors, je suis aussi première vice-présidente de l'Assemblée des communautés de France, qui s'appelle maintenant Intercommunalité de France, pour lequel j'ai des responsabilités en matière de transition écologique et de développement économique. C'est à cette occasion que peut-être que je connais moins le Césaire, mais que j'étais auditionnée plusieurs fois par le CESE, à l'inverse,
sur des problématiques, des propositions de loi pour lesquelles l'intercommunalité de France, que je représente, devait émettre un avis ou défendre certaines positions. Donc j'ai pu approcher de près l'intérêt de cette institution, de ces institutions régionales, dans le dialogue public, dans la façon d'ouvrir aussi les yeux sur certains dossiers. Et je ne sais pas comment s'organisent les plénières d'ici la fin d'année, si c'est toujours moi qui représenterai le président Morin ou uniquement au moment du budget, mais je crois qu'il est important qu'il y ait une présence des conseillers régionaux et de leurs représentants, vice-présidents ou présidents, dans vos travaux. J'y vois énormément d'éclairage. Je suis une passionnée de prospective et c'est un des petits bémols que je mettrai sur le budget de la région, moi aussi. Je vous demande beaucoup d'humilité dans mes réponses. Aujourd'hui, je vais écouter avec attention le rapporteur, M. Jean-Pierre Giraud, dans ses préconisations, puisque ce budget qui est colossal, hein, c'est 2 milliards d'euros, est une découverte pour moi en tant que récente vice-présidente. Et je crois que le travail de prospective sera extrêmement important sur 2022. On aura l'occasion de le revoir ensemble lors de ses travaux pour l'étude du BP 2023. J'anticipe déjà, je vais peut-être un petit peu vite. J'ai l'impression, en tout cas moi, en regardant le budget, c'est qu'il y a une maîtrise forte des grands enjeux d'équilibre financier. Il y a une épargne qui permet de faire de l'investissement. Il y a une volonté d'axer sur les dépenses d'intervention, ça me paraît essentiel, et les dépenses d'investissement qui sont plutôt extrêmement fortes. Même si je pense que dans la présentation, on gagnerait avec beaucoup plus de lisibilité pour que les dépenses qui ne sont pas d'intervention soient elles aussi réparties. Il n'y a pas un fonctionnaire au conseil régional qui travaille pour lui-même ou pour son service. Les services administratifs, compta, finance, audit, travaillent tous pour des compétences. Il serait intelligent, à mon sens, de reprendre la masse salariale, de reprendre aussi l'ensemble des dépenses non intervention, les répartir pour montrer vraiment le poids de l'action régionale dans chacune de ces politiques publiques. Même si on ne détaillera pas les OS aujourd'hui, c'est comme ça que je voudrais transformer un petit peu l'écriture. Et puis, pour moi, en tant qu'ancienne financière, j'ai été, avant d'être élue, je suis élue depuis 2014, directrice financière de plusieurs structures, aussi d'une agence de DEVECO et d'une agence d'urbanisme. Il est essentiel pour moi d'avoir une construction budgétaire qui passe d'abord par les marges de manœuvre. Et là, vous voyez l'esprit un peu prospectif qui ressort. Je préférais que mes collègues du Conseil régional sachent d'abord quelles sommes ils ont avant de construire leur budget. Et j'ai bien remarqué que dans leur construction, c'était un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on regardait nos OS, les besoins, les projets. On fait du toilettage forcément dans les autorisations de programmes qui sont engagés ou les autorisations d'engagement. Mais je crois qu'il est nécessaire, et vous l'avez rappelé en préambule, de bien maîtriser ce qui va nous arriver, ce qui va nous tomber dessus. Alors, des recettes dynamiques au niveau de la région, parce que je crois que la TVA est une bonne idée en remplacement de la CVAE ou du FNGIR. Je pense que c'est une vraie bonne chose, parce qu'il y a une dynamique qui est claire. Les prévisions de croissance, j'y crois un peu moins avec la crise sanitaire, cette cinquième vague, le 6,75, je crois qu'il sera un peu plus faible malgré tout. Je pense à des recettes dynamiques. Mais je pense que pour toute construction budgétaire, il faut d'abord s'intéresser à ce que nous avons. C'est ce que vous faites dans vos foyers. Hein. C'est ce qu'on fait tous dans nos communes, petites ou grandes. C'est d'abord de vérifier combien on a en caisse avant de répartir les sommes par pôle. Donc je pense qu'il y a une méthodologie au niveau budget régional, et je m'appuierai sur les travaux du Césaire pour faire avancer les choses au niveau du Conseil régional, si vous me le permettez, puisque vos préconisations sont extrêmement intéressantes en matière de prospective et d'évaluation des politiques publiques, d'obligation de résultats et pas de moyens. Donc c'est un changement de culture en général dans l'action publique. Donc je serai attentive avec vous sur ces travaux-là, et je vais écouter les préconisations que M. Giraud va évoquer ce matin pour les faire remonter. Et puis mon dernier point, c'est ce que j'ai fait en même temps avec le Conseil de développement, qui est un peu un petit Césaire sur les territoires comme une aglo comme la mienne, qui oriente nos politiques publiques, les juge un peu et s'auto-saisissent de certains sujets. Chez moi, sur mon territoire, le Conseil de développement souhaite favoriser la démocratie participative avec les jeunes. Et comment le budget est traduit pour les jeunes, comment la place des jeunes existe dans le budget, et bien de la même manière, leurs travaux doivent figurer dans les conseils communautaires. Et là, je vois, je découvre un peu aujourd'hui que vous préconisez que les remarques que vous faites fassent l'objet d'un retour obligatoire, ce que je pensais un peu évident. Voilà, donc je découvre ça et je prends bonne note de la troisième préconisation. Je ne m'y engage
peut-être que personnellement, et je l'évoquerai avec, je pense, avec beaucoup d'envie avec le président Morin, parce que je pense que ces travaux ont une grande utilité et ne peuvent que participer à l'amélioration de l'action régionale sur le territoire de la Normandie. Un grand merci de m'avoir invité, Monsieur le Président, et je suis tout ouverte pour écouter vos débats. Merci, Madame la Vice-Présidente, de vos propos. Et puis, je signale la présence de Madame Angélique Ferreira, qui est conseillère régionale et qui est dans le groupe politique Normandie Terre d'Avenir, qui est présente dans l'hémicycle. Bienvenue, Madame. Une petite information avant de donner la parole à deux nouveaux conseillers. C'est de l'information qui n'est pas encore sûre, hein, mais nous avons fait, quand je dis nous, les présidents de Césaire ont fait des démarches d'amendement dans le cadre de la loi 3DS. Alors, les Césaires ne sont pas habilités à déposer des amendements, mais via des parlementaires. Et il y aura vraisemblablement deux amendements qui seront présentés, vraisemblablement débattus, mais nous l'espérons adoptés. Les jeunes conseillers, hein, vous savez, on a un contingent de jeunes conseillers de moins de 30 ans, et à leurs 30 ans, par la loi, ils doivent quitter obligatoirement le Césaire, ce que nous considérons comme étant absurde. On agit dans le long terme, sur une durée de mandat, parce que ces jeunes ne sont pas désignés parce que seulement jeunes, mais aussi au nom d'une organisation qu'ils représentent. Et donc, l'organisation, elle, est présente sur l'ensemble du mandat. Donc, ce que nous avons demandé et que, vraisemblablement, nous obtiendrons, c'est que les jeunes soient nommés alors qu'ils ont moins de 30 ans, mais qu'ils ne quittent pas le Césaire au jour anniversaire de leurs 30 ans, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Et notre lutte pour revenir dans les comités de bassin semble acquise, et à nouveau, les Césaires, et cette fois-ci par la loi, devraient réintégrer l'ensemble des comités de bassin au nom des Césaires. Et puis, une dernière information qui n'a rien à voir avec la loi 3DS. L'Arc Atlantique travaille actuellement sur la création d'une macro-région, et vous avez déjà vu quelques mails demandant que des conseillers soient volontaires pour participer à un groupe de travail des Césaires de l'Atlantique sur une éventuelle création d'une macro-région et de travailler en parallèle avec l'Arc Atlantique. Et par la voix de son président, la région de Normandie a indiqué qu'elle sera observatrice. Et comme j'avais déjà indiqué à plusieurs fois que je trouvais dommageable que la région de Normandie ne soit pas membre de l'Arc Atlantique, le fait qu'elle soit observatrice sur ces travaux-là me semble une démarche tout à fait positive. Nous allons accueillir deux nouveaux membres, Christian Boulocher et José Doliger, et nous allons commencer, c'est l'ordre alphabétique, par Christian Boulocher, qui est en distance et qui remplace Michel Seguin au titre de l'Union des entreprises de proximité de Normandie. Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est au nom des entreprises portuaires. Je lisais le texte, mais c'est une erreur. C'est des entreprises portuaires. Et pour Christian, d'ailleurs, c'est le port de Rouen, alors que Michel, c'était le port du Havre. Christian. Bonjour Jean-Luc, bonjour Monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre accueil. Pour une première fois à distance, je le regrette. Donc j'espère que les conditions sanitaires permettront des rencontres plus directes avec un contact constructif. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous au titre des deux unions portuaires du Havre et de Rouen qui depuis toujours ont collaboré au sein du Césaire, mettant de côté
bien évidemment toutes les querelles de clochers qu'on vient nous prêter, car nos entreprises sont la plupart du temps présentées à Rouen et au Havre et à Paris. Le temps que Michel avait était très consacré ces derniers mois à l'organisation des fusions des ports. J'ai la chance de lui succéder une fois que la fusion est faite. Maintenant, le travail de fond de reconquête des marchés est en œuvre. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, nos unions portuaires, c'est pour simplifier la représentation de l'ensemble des entreprises du secteur privé œuvrant dans le commerce international depuis le bord des navires jusqu'à la livraison des marchandises ou leur enlèvement sur principalement l'Interland de l'Île-de-France, le grand quart nord-ouest français. Donc ça va des compagnies maritimes, aux commissionnaires de transport, aux manutentionnaires, aux lamaneurs, aux pilotes, aux remorqueurs, aux transporteurs, aux assureurs, enfin la liste est très longue. Donc j'ai depuis quelques jours beaucoup lu sur les travaux du Césaire. Maintenant je vais beaucoup écouter pour bien apprendre et collaborer le mieux possible. Voilà, merci Monsieur le Président. Merci Christian Boulocher et désolé pour la mauvaise lecture. Je confonds maintenant U2P avec les entreprises portuaires et mes excuses auprès d'U2P également. Nous allons maintenant entendre pendant deux minutes José Doliger qui remplace Denis De Clercq au nom du comité régional CGT de Normandie. Et là, je ne me trompe pas. Et il est présent dans l'hémicycle. Il faut appuyer. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Merci, Monsieur le Président. Donc, oui, José Doliger, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ornais d'adoption depuis l'âge de 2 ans. J'ai eu l'occasion de me déplacer pas mal sur la région, notamment sur Caen pour mes études. J'ai commencé ma vie professionnelle sur Caen. Avant de retourner dans l'Orne, ma profession est chef des ventes dans la distribution automobile. Plusieurs mandats nationaux. Je suis membre de la direction fédérale de la CGT Métallurgie, membre de la direction fédérale aussi des ingénieurs cadres et techniciens. Dans le secteur formation, je suis membre créateur et administrateur de l'OPCO Mobilité. Je suis aussi le chef de file de la négociation collective dans la branche des services de l'automobile. Et administrateur aussi à l'Agir Carco, de temps en temps. Oui, c'est avec un grand plaisir que j'intègre ce Césaire de Normandie, je voudrais rendre hommage déjà aux camarades que je remplace pour tout le travail effectué au sein du Césaire. J'espère pouvoir apporter mes compétences à cette belle institution. Je vous remercie. Merci José. Et oui, je confirme, et ça, je pense qu'il y a l'unanimité dans cet hémicycle, que Denis était particulièrement assidu, actif et efficace, et a particulièrement contribué à beaucoup de travaux d'ailleurs. Je crois que la liste serait absolument impossible, tout au moins à citer de mémoire. Merci. Et puis, un départ. Fabienne Nicole, au titre des chambres consulaires, qui est membre depuis, je dis encore au présent, parce que jusqu'au 31 décembre, tu es membre, depuis le 20 décembre 2017 et qui quitte le Césaire au 31 décembre. Si tu veux dire deux mots, c'est possible. Je passe. Voilà. Oui, c'est bon. Écoutez, ça a été une expérience très positive parce que, comme ça a été évoqué, c'était l'occasion de rencontrer des tas de structures différentes avec des tas d'avis différents et puis de se rendre compte que finalement, il y avait un esprit constructif et que, avec tous ces avis, toutes ces structures, on arrivait à éclairer de façon intéressante pas mal de sujets. Et ça, je trouve, c'est une vraie valeur. Du coup, c'est vrai que je me suis rapidement posé la question de me dire, mais pourquoi on parle tant à l'extérieur de ces participations citoyennes, etc. Pour moi, la structure, elle est là, elle existe.
Voilà, et ça a été rappelé ce matin, je me suis fait cette remarque, quoi. Tous ensemble, nous sommes cette participation. J'ai également apprécié l'appui de toutes les équipes qui travaillent en arrière-plan, mais qui sont un appui fort et essentiel, toutes les équipes qui travaillent au Césaire. Et puis, toute cette ambiance constructive, cet esprit de partage et tout, je pense qu'il doit également beaucoup à son président, par ses valeurs humaines et son attitude très humaine, que j'ai personnellement appréciée. Donc, en conclusion, ça a été un plaisir d'être parmi vous. Bons travaux pour la suite et que le Césaire soit de plus en plus reconnu pour ce qu'il fait. Merci Fabienne. Eh bien écoutez, nous allons maintenant entamer l'ordre du jour, mais avant, il faut savoir si nous sommes suffisants pour pouvoir délibérer. Et je donne donc la parole à Caroline Vol, première vice-présidente du Césaire. C'est celui-là ? Celui-là ? Je ne sais pas, moi. Vas-y. C'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Je vais procéder à l'appel des présents. Madame Charlotte Allôme. Monsieur Arnaud Brento. Présent. Monsieur Pascal Catelin. Présent. Monsieur Daniel Cornet. Présent. Madame Marie-Christiane de la Comté. Monsieur Bertrand, de Cloménil. Présent. Monsieur Thierry Delandre. Présent. Monsieur Alain Deveau. Oui, Monsieur José d'Oligé. Monsieur Mathias Dubourguet. Présent. Monsieur Jean Dufroy. Présent. Monsieur Philippe Engserian. Monsieur Olivier Fleutry. Présent. Monsieur Jean-Baptiste Gamard. Présent. Monsieur Dominique Garçonnet. Présent. Monsieur Jean-Pierre Giraud. Présent. Madame Nicole Gossens. Présent. Monsieur Guillaume Gravier. Présent. Madame Emmanuelle Jandé-Mangal. Présent. Madame Catherine Kersual. Présent. Monsieur Antoine Lafarge. Présent. Madame Marie-Hélène Lalande. Présent. Madame Maud Lanon. Madame Florence Le Lepvrier. Je prononce bien ? Merci. Monsieur Jean-Luc Léger. Présent. Monsieur Michel Legrand. Présent. Monsieur Christophe Leroy. Présent. Madame Catherine Lillini. Présent. Monsieur Pierre-Édouard Magnan. Présent. Monsieur Emmanuel Maillard. Présent. Monsieur Nicolas Marais. Monsieur Dominique Monfiliâtre, Madame Sylvie Montier, Monsieur Patrick Morel, présent. Madame Fabienne Nicole, présent. Madame Nicole Orange, présent. Madame Béatrice Picard, présent. Madame Anne Pinel, présent. Monsieur Jérôme Pinel, présent. Madame Bénédicte Pinault, Monsieur Michel Pons. Oui, il est au téléphone, d'accord. Madame Hélène Rubrecht-Loisel. Pareil, je ne sais pas si je... Merci. Monsieur Hugues Sanson. Monsieur Jean-Claude Soubranne. Monsieur Philippe Tessier. Monsieur Gérard Terrain. Madame Marie-Christine Van Hems, Madame Caroline Vol, présente. Merci. Nous sommes combien de présents ? Alors, avec les gens en distance. Donc 48 présents, 15 pouvoirs. Est-ce que je nomme les pouvoirs ? Alors, je nomme les pouvoirs. C'est la première fois. Hein, c'est ouais, normal, c'est vrai. Et puis, je n'ai pas répété. Alors, c'est la première fois. Alors, liste des pouvoirs.
Monsieur Choulan Jean-Paul donne pouvoir à Monsieur Léger Rémy. Madame Dezano Céline donne pouvoir à Monsieur Gravier Guillaume. Madame Granny Séverine donne pouvoir à Monsieur Maillard Emmanuel. Monsieur Guilleux Rémy donne pouvoir à Monsieur Michel Ponce. Madame Lefèze Sylviane donne pouvoir à Monsieur Jean-Yves Hurtin. Madame Lelandais Sandrine donne pouvoir à Madame Montier Sylvie. Madame Leroy Christine donne pouvoir à Madame Nicole Gossens. Madame Louveau-Martine donne pouvoir à Madame Kersual Catherine. Madame Mère Cécile donne pouvoir à Madame Van Ems Marie-Christine. Monsieur Mélin Jean-Denis donne pouvoir à Madame Lemarchand Roseline. Monsieur Michel Jean-Luc donne pouvoir à Monsieur Legrain Philippe. Madame Plénaud Nadège donne pouvoir à Monsieur Mathias Dubourguet. Madame Poirier-Morel Virginie donne pouvoir à Madame Ambroise Jocelyne. Monsieur Trèfle Dominique donne pouvoir à Monsieur Leroy Christophe. Et enfin, Madame Varenne Valérie donne pouvoir à Monsieur Alain Devaux. Merci Caroline. Les personnes qui ont des mandats, enfin des délégations de vote, surtout à distance, n'oubliez pas, lorsque vous aurez à voter, de voter deux fois. Et ça nous permet quand même d'être sûr que tout le monde a voté comme cela. Nous allons donc examiner les questions inscrites à l'ordre du jour. Nous commencerons par l'élection d'une vice-présidente au sein du premier collège, l'examen du projet d'avis sur le budget primitif 2022, le budget principal, l'examen du projet d'avis sur le budget primitif 2022, sur le budget annexe de la restauration administrative, et l'examen du projet d'avis sur permettre l'accès à la santé des Normands sur tout le territoire. Et le cinquième point, l'examen du projet d'avis sur, intitulé, le maintien du SRADET et évolution à venir du schéma. Les points 2 à 5 relèvent de la procédure des avis obligatoires. C'est l'article 19 de notre règlement intérieur. Et les amendements doivent être rédigés par écrit et remis au président de l'Assemblée au plus tard en début de séance. Il est donc trop tard, à 7 heures, pour déposer de nouveaux amendements, s'il y en a d'ailleurs. Cela fait donc combien de votants, et de présents et de votants ? Alors. Merci, Jean-Luc. Nous avons 48 présents avec 10 pouvoirs, 54 présents plus 4 pouvoirs, soit 116 votants, le quorum est de 65. On devrait y parvenir, alors. L'élection d'une vice-présidente du Césaire au sein du premier collège. Oui. Oui, mais on est 127 actuellement, avec les démissions et les non-remplacements. Je rappelle que les démissions sont liées à des perte de mandat, hein, et que pour un certain nombre de conseillers, ils ne sont plus membres du Césaire parce qu'ils n'ont plus de mandat pour représenter leur organisation. Voilà. Et actuellement, il en manque 3, mais c'est en cours avec le préfet de région. Il n'y a aucune difficulté. Simplement, il y a un peu de temps et il y a eu beaucoup de changements dans les instances des organisations représentées au sein du Césaire. L'élection donc d'une vice-présidente du Césaire au sein du premier collège, je rappelle quand même un tout petit peu l'histoire. Julie Guillas, qui était première vice-présidente, a été élue lors de l'élection régionale et est devenue 9e vice-présidente du conseil régional. Dès lors, il nous fallait élire une première vice-présidente, puisque dans le cadre, c'est forcément une femme dans le cadre de la répartition par genre de l'ensemble des mandats au sein de
des 10 principaux conseillers que sont les présidents de commission et président premier et deuxième vice-président du Césaire. C'est Caroline Vol qui a été élue. Et donc, nous avons constaté une vacance au sein même du bureau, puisque Caroline était déjà membre du bureau. Donc, il nous faut maintenant voter, élire une première vice-présidente. C'est obligatoirement une femme et obligatoirement du premier collège, car c'est un poste vacant qui conjugue ces deux éléments-là. Il convient donc de procéder à son remplacement parmi le collège d'appartenance. Je rappelle un certain nombre d'articles. L'article 29, en cas de vacance d'un siège permanent du bureau, son remplacement s'effectue lors de la réunion du Césaire qui suit sa constatation, et nous l'avons constaté à l'Assemblée plénière précédente, au scrutin uninominal, selon le même mode de scrutin que lors de l'élection initiale. L'article 7, les vice-présidents dont la composition est fixée à l'article 23 du règlement intérieur sont élus au scrutin secret plurinominal par bulletin ou par vote électronique dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes défini à l'article 6. Article 6 que je ne citerai pas. Article 23. La composition du bureau repose d'une part sur la répartition équilibrée des sièges entre les quatre collèges et d'autre part en veillant au respect du principe de parité entre les femmes et les hommes. Chacun des collèges est tenu de respecter ce principe dans sa représentation de la façon suivante. Le collège 1, 4 femmes et 4 hommes. Le collège 2, 4 femmes et 4 hommes. Le collège 3, 4 femmes et 4 hommes. Et le collège 4, une femme ou un homme. Il convient donc, dans le cas présent, de procéder à l'élection d'une femme au sein du premier collège. Je m'adresse au premier collège. Est-ce que vous souhaitez une suspension de séance ? Non. Eh bien, je fais appel candidature. Qui est candidate ? Pardon, excuse-moi, je ne sais plus. Non. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les noms. C'est... Est-ce que... Oui, merci. Monsieur le Président, messieurs, mesdames les conseillers, le premier collège, après concertation, propose la candidature de Marie-Hélène Lalande, qui représente l'UDP. Marie-Hélène Lalande, est-ce qu'il y a d'autres candidates ? Petit instant, parce qu'à distance, on ne sait jamais. Non. Personne ne crie. Donc, oui. 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 Donc, nous avons une candidate, Marie-Hélène Lalande, ce qui laisse les gens en distance réfléchir. Donc, l'élection va se dérouler de la manière suivante, compte tenu du contexte sanitaire qui a nécessité l'organisation de cette plénière en présentiel et en distanciel. Le vote se déroulera au scrutin secret de la façon suivante. Les conseillers en distanciel procéderont au vote de façon électronique lorsque je déclarerai le vote ouvert, selon la procédure que vous connaissez un peu. On laisse du temps pour que les votes arrivent jusqu'au terminal informatique. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Et puis, et de laisser un temps pour conclure sur le résultat. Et les conseillers en présentiel, vous avez un bulletin. Et vous déposerez le bulletin dans l'urne, non pas en vous déplaçant, mais au passage d'un membre de l'équipe administrative qui circulera dans les rangs et sera demandé, une fois l'enveloppe déposée, d'indiquer au micro qui vous êtes pour enregistrer que vous avez bien voté. Et y compris de donner le nom
du conseiller, de la conseillère, pour lequel vous avez un mandat. Oui, est-ce qu'il est possible d'écrire Marie-Hélène Lalande ? Et enfin, pour terminer, je déclarerai le vote clos pour l'ensemble des conseillers et il sera alors procédé au dépouillement des enveloppes. À l'issue de ce dépouillement, les résultats des votes électroniques seront ajoutés pour proclamation des résultats du vote et le dépouillement des bulletins se feront par Pierre Alain et Laure Voylon. Nicole Gossens. Appuie sur le bouton. Voilà. Quand on a un pouvoir, on met deux votes dans l'urne. Oui. D'accord. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de problème. Comme à l'ancienne. Et tu donneras ton nom, Nicole. Tu donneras ton nom quand tu votes pour toi et le nom de la personne pour qui tu as un mandat. Alors, le vote à distance est prêt et ouvert. Je déclare donc ouvert le vote. Laure, vous pouvez circuler. Caroline Vol. Ah ben voilà, c'est ça. Jean-Luc Léger. Pas mis dans l'angle. Oh. On saute. Bon, désolé Marie-Hélène, mon bulletin est nul. Oui. On a. Non non non, tant pis. Faut donner les noms. Michel Legrand. Michel Legrand. À voter. Note encore.
S'il vous plaît. Camille Guilleux et Michel Ponce. Bien, eh bien, le scrutin est clos. N'est-ce pas à distance, c'est possible ? Donc 60 votants à distance. Très bien, et le scrutin est clos. Le dernier à avoir mis un bulletin sans enveloppe dans une urne, c'était Alain Gousseau. Une élection en 2007. Eh bien, maintenant, c'est moi. C'est comme ça qu'on rentre dans l'histoire, oui, c'est ça. Alors, voilà, vous comptez les enveloppes, s'il vous plaît. Ensuite, vous... Comment ? Non, je souhaite que ça ne sera pas très long et qu'on le fasse dans l'ordre. Nous connaissons la capacité de concision de notre rapporteur général et de concision de tous ceux qui prendront la parole dans le débat général. Très bien, et bien, vous pouvez commencer à dépouiller. Qui donne les noms ? Pierre ? Donc vous allumez votre micro ? Merci.
Marie-Hélène Lalande. Marie-Hélène Lalande. Marie-Hélène Lalande. Marie-Hélène Lalande. Marie-Hélène Lalande. Vote blanc. Marie-Hélène Lalande. 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 Blanc. Marie-Hélène Lalande. 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 Vote blanc. Marie-Hélène Lalande. Vote blanc. Vote blanc.
Constance. Demandez. Okay. Alors, 52 pour, 5 blancs et 1 sans enveloppe. Un nul. Donc ça nous fait combien d'exprimés ? Je n'ai même pas. 5. Oui, mais on va, oui, on va ajouter. Mais là, on fait les présentiels. Comme ça, on annonce le présentiel et on annoncera. Et en exprimé. 58. 58 est exprimé ? Oui. Et à distance. Pour 55. 4 votes blancs. 4 votes blancs. De vote exprimé. Donc 58 moins 6, 52. Ça fait 107. Bien, le résultat du vote, donc 118, 107 d'abord. 100, non, c'est pas ça du tout. Excusez-moi, je dis des bêtises. Combien de votants ? 116, voilà. 116 votants. J'avais inversé. 116 votants, 107 voix, c'est ça ? D'accord. Voilà, 107 pour Marie-Hélène Lalande, 9 blancs et 2 nuls. Marie-Hélène Lalande est élue et devient membre du bureau. Nous allons maintenant passer à l'examen du projet d'avis sur le budget primitif 2022 au titre du budget principal. Ce projet d'avis a été examiné par l'ensemble des commissions et centralisé par la commission 6 le vendredi 3 décembre. Il est présenté par le rapporteur général Jean-Pierre Giraud. Jean-Pierre, tu as la parole. Tout d'abord, effectivement, pour bien préciser les choses, il y a toute une partie de notre avis qui a été travaillée par la commission 6, et par rapport aux pages, ça correspond de la page numéro 2 à la page numéro 10. Et après, il faut savoir que chaque commission thématique a travaillé le budget, ce qui correspond dans l'avis aux pages 11 pour aller effectivement jusqu'à la page 17. Voilà. Alors, je vais commencer, bien entendu, vous donner les principaux éléments de ce budget. Tout d'abord, au niveau du contexte général économique, rappelez qu'il y a une reprise de la croissance économique française qui est estimée à 6,75 pour 2021, selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international qui sont intervenues bien avant, bien entendu, les annonces sur la pandémie qui, malheureusement, a été les annonces qui ont été faites cette semaine. Ce dynamisme économique permet à la région de Normandie de bénéficier de rentrées fiscales plus importantes que prévues, et comme l'a souligné la vice-présidente chargée des finances, en particulier avec la perception d'une fraction de la TVA, puisqu'effectivement, c'est une recette dynamique. Concernant l'équilibre général du budget, donc vous voyez que en termes de recettes, on est à 1,551,821 euros, en sachant que on a des recettes de fonctionnement qui sont de 1,488,924,294 euros. Plus 5,5%, et que les recettes d'investissement globalement, 262,598,557 euros, moins 0,02%. Alors, ces recettes sont en hausse globalement
de 73,6 millions d'euros par rapport au budget prévisionnel de 2021, plus 4,4%. Mais il faut signaler que le budget prévisionnel 2020 avait connu une baisse importante de ses recettes, notamment d'investissement, puisque pour le transport, on avait eu une baisse de moins 276 000, millions, de moins 276 millions d'euros, puisqu'il y avait eu une pause. Alors, vous avez ce tableau qui vous donne la fiscalité directe, donc vous pouvez constater une baisse importante, puisque vous pouvez constater que maintenant les recettes fiscales directes ne représentent plus que 1,5% des recettes de la collectivité. On était à 8,6% en 2021 et à 28,1% en 2020, puisque maintenant elles sont constituées exclusivement de l'IFER, hein, l'imposition forfaitaire des entreprises de réseau. Concernant la fiscalité indirecte, vous avez le tableau, donc vous pouvez constater que la ligne qui augmente le plus fortement, c'est ce qu'on vous a dit, c'est au niveau effectivement de la fraction de TVA, puisque si vous constatez, en 2020, nous avions 207, presque 208 millions d'euros, en 2021, 601 millions d'euros, et vous voyez qu'on est à 753 millions d'euros, et donc vous voyez bien que là aussi, il y a une forte augmentation qui se substitue aux autres recettes. Vous pouvez constater par ailleurs que les ressources pour la formation professionnelle sont identiques à 2021, alors qu'elles avaient baissé de 31 millions d'euros en 2021, que les produits des certificats d'immatriculation s'accroissent de 4 millions d'euros. Et là, c'est prudentiel, puisque vous savez que le marché automobile a quelques problèmes pour vendre des voitures neuves, du fait de manque de pièces, et que d'autre part, pas oublier non plus que les certificats d'immatriculation pour les véhicules électriques, il n'y a pas de recette, puisqu'on paye 13,76 uniquement les frais. La fiscalité indirecte donc représente dorénavant 66% des recettes de la région de Normandie, alors que vous voyez qu'avant c'était 60% en 2021 et 36,1% en 2020. Et vous voyez bien que 64,5% de ces recettes est apportée par la fraction de la TVA et 24,7% de ces recettes sont apportées par la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, ce qui pose quand même un problème. Ça veut dire que toutes les recettes reposent sur la consommation et que si la consommation venait à baisser, dans une prospective à long terme, on verrait de graves difficultés apparaître. Sur les dotations et participations, donc là, vous avez le tableau, bien entendu, à l'écran. Vous voyez que les montants des dotations de l'État progressent de 4%, mais surtout du fait du volume d'investissement qui a été réalisé malgré la crise, et ça donne le fonds de compensation TVA qui, lui, a progressé. Vous voyez que les recettes perçues au titre des dotations des participations augmentent sensiblement, plus 103,5 millions d'euros, soit une hausse de 29%. Mais vous voyez que c'est surtout dû aux 71 millions de recettes en provenance de l'Union européenne. Et puis d'autre part, toujours du pacte régional d'investissement dans les compétences, qui lui aussi augmente de plus 17,7 millions d'euros, et des recettes issues du Ségur de la santé. Concernant les subventions et autres recettes, quelques éléments à soulever. Donc vous voyez qu'il y a la vente de 15,3 millions d'euros de trains à la région du Grand Est. D'autre part, vous pouvez constater qu'on a des produits de domaine, 35,37 millions, dont les recettes transport, hein, qu'il ne faut pas oublier, qui sont de 34,6 millions d'euros. Là, c'est les chiffres de l'année 2020, donc là aussi, prudence. Alors, les reprises pour provision, 3,4 millions d'euros, et les prêts et avances pour 36,9 millions d'euros, et puis pour les autres, 1,8 million d'euros. Donc, vous pouvez constater, et nous, on constate, le Césaire relève que la part des recettes fiscales se situe désormais à plus de 2/3 des recettes des collectivités, de la collectivité régionale, on est à 68%.
et c'est des recettes fiscales, en raison notamment de la recentralisation de la compétence apprentissage et du nouveau mécanisme de péréquation régionale. La part de dotation et participation de l'État s'est établie quant à elle à 26%, et on était à 15% en 2020. En cas de reprise durable de l'inflation, qui pourrait peser fortement sur l'évolution des dépenses de fonctionnement de la région, le CESIER note que le poids de la TVA dans les recettes globales de fonctionnement de la collectivité, 51%, devrait permettre à la région de continuer à disposer de recettes dynamiques et d'éviter ainsi un effet de ciseaux. Sur les dépenses, donc, en termes de dépenses, je vais passer très rapidement sur les autorisations de programme et les autorisations d'engagement. Il faut savoir que le projet de 2022 prévoit l'inscription de 847 millions d'AP contre 747 millions l'année précédente et de 1 milliard d'autorisations d'engagement contre 618 millions en 2021. Pour les AE, vous voyez qu'il y a une forte augmentation, une hausse de 63,4%. Il faut simplement le signaler, c'est en raison de l'ouverture de la totalité des crédits européens pour la période 2021-2027. C'est une obligation légale d'ouvrir tout en autorisation d'engagement, ainsi que le renouvellement de l'ensemble des marchés pour les transports routiers. Là aussi, c'est des engagements sur plusieurs années, mais il faut ouvrir les autorisations d'engagement dès la première année. Concernant l'augmentation des autorisations de programme, vous voyez qu'ils augmentent de 13,4%. Et là, il faut tenir compte des fonds européens et de l'inscription de projets structurants. Au niveau des crédits de paiement, très rapidement, le projet de BP pour 2022 s'établit en dépenses à 2 034 358 333 €. Donc, il est en hausse de 6,6%. Et par rapport au budget prévisionnel de 2021, vous voyez que c'est plus 125 millions d'euros. Sachant que l'année 2021 avait vu une forte baisse, notamment des dépenses d'investissement. Quand vous regardez la répartition, donc en fonctionnement, on est à 1,830 000 € en fonctionnement. Donc, vous voyez qu'il y a une hausse de 3,6%. On était à 1,219 milliard. Et, bien entendu, si on fait déduction faite des intérêts de la dette, les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 1,253 milliard. Concernant l'investissement, on a des dépenses qui s'élèvent à 771 millions hors gestion active de la dette. Alors, quand vous regardez, l'ensemble de ces éléments, qu'est-ce qu'on peut retenir ? C'est que, premièrement, les dépenses d'investissement augmentent de 13,2%, c'est pour ce budget primitif. Le CESER rappelle par ailleurs que 75% des dépenses de fonctionnement sont constituées de dépenses d'intervention. La hausse de ces dépenses d'intervention est de 33 millions d'euros et résulte notamment pour la formation professionnelle, puisque vous avez vu qu'il y a une montée en charge du PRIC et du Ségur de la santé, mais aussi d'un développement de la recherche. La hausse des dépenses d'investissement est principalement orientée vers les lycées, poursuite du pacte numérique lycéen, travaux dans les établissements, l'enseignement supérieur avec le déploiement du plan campus et les transports ou encore l'économie et les infrastructures sportives qui sont prévues notamment en fin d'année. Donc vous pouvez voir en conclusion, la comparaison des recettes et dépenses fait apparaître un taux de couverture des dépenses de fonctionnement par les recettes de fonctionnement de 118%. Sachez que l'année dernière, il y a une légère augmentation puisqu'on avait un taux de couverture l'année dernière, et c'est un chiffre important, de 116%. Un taux de couverture des dépenses d'investissement par les recettes d'investissement qui passe de 39% en 2021 à 34% sur ce budget primitif. Si on regarde maintenant les éléments clés
j'allais dire, en termes d'emprunt, puisque je pense que c'est important d'avoir ça. Alors, soyons prudents. À l'heure actuelle, l'emprunt d'équilibre est estimé à 282 840 000 euros. Il était de 231 millions d'euros en 2021. Donc, vous voyez qu'il y a une hausse d'à peu près 52 millions d'euros. Mais cet emprunt, pour l'instant, n'est que prévisionnel, puisque vous savez qu'il va falloir reprendre les résultats de l'exercice 2021 au budget supplémentaire de juin 2022. Et on verra bien, à ce moment-là, le véritable montant de l'emprunt qui sera beaucoup plus proche de la réalité. Deuxième chose, la capacité de désendettement. C'est un élément qui est important, puisque la dette régionale s'établirait au 31-12-2021 à 916 millions d'euros. On était à 697 millions d'euros en 2021, soit une hausse de 31,5%. Donc tout de suite, deux indicateurs sont importants, c'est de voir l'épargne brute, qui constitue, hein, je rappelle, la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer les investissements de l'exercice. Elle s'élève à 226 millions d'euros, soit une hausse de 18% par rapport à 2021. D'autre part, la capacité de désendettement, autre élément important, qui mesure le nombre d'années nécessaires pour rembourser la totalité du stock de la dette dans l'hypothèse où la collectivité affecterait l'ensemble de son épargne, brute bien entendu, est de 4,05 ans contre 3,64 ans en 2021. Vous voyez tous ces indicateurs, et c'est important de voir depuis 2016 jusqu'à 2022, et ce qui vous permet de voir aussi bien les dépenses de fonctionnement, les recettes de fonctionnement, l'épargne brute, les dépenses d'investissement, les recettes d'investissement et l'encours de la dette. Donc, vous voyez que sur les dépenses de fonctionnement, on est sur des taux relativement stables. Les recettes de fonctionnement, vous voyez qu'on a une hausse cette année de 5,53%. L'épargne brute augmente de 18%. Les dépenses d'investissement augmentent de 12% alors qu'elles avaient baissé de 23% l'année dernière. Les recettes d'investissement, vous voyez qu'elles sont légèrement plus faibles, mais elles avaient baissé fortement l'année dernière. Et vous voyez que l'encours de la dette a augmenté. Si on regarde maintenant les observations générales. Donc, il faut savoir que le budget 2022 constitue bien entendu le premier du mandat suite au renouvellement de l'Assemblée régionale en juillet 2021. Il fixe forcément le cadre de la stratégie financière de ce nouveau mandat. Je vous rappelle les trois objectifs. C'est dégager une épargne brute se situant en moyenne à 246 millions d'euros en base BP, ce qui est le cas. Consacrer des dépenses d'investissement de 600 millions d'euros en moyenne annuelle, vous voyez qu'on est largement au-dessus. Et de maintenir une capacité de désendettement inférieure ou égale à 6 ans maximum à l'horizon 2028. Pour l'instant, vous voyez bien que sur cet encours, on est largement en dessous puisque nous sommes à 4,05 ans. Le Césaire note que ce budget primitif à la région, permet à la région d'accroître ses dépenses d'intervention et d'investissement de près de 116 millions d'euros et on ne peut que s'en féliciter. Concernant la gestion des fonds européens, le Césaire rappelle que les années 2022 et 2023 seront cruciales pour certifier l'ensemble des projets programmés et viser ainsi la consommation complète des fonds européens. Et il faut aussi assurer un bon démarrage de la programmation 2021-2027. Et lors de notre commission financière, on a noté que la région avait pris en compte, puisqu'il y aura un renforcement des moyens humains pour pouvoir le faire. Le Césaire note que dans le cadre du plan stratégique national PSN et la programmation 2023-2027, que la gestion du FEADER s'accompagnera d'un décroisement des interventions entre l'État et bien entendu la région. Et il faut savoir que l'État assurera le pilotage de la gestion et le financement des mesures liées aux surfaces, alors que les régions assureront le pilotage de la gestion des financements des autres mesures. Le Césaire estime qu'il est indispensable d'avoir dès à présent une clarification des missions entre l'Agence de services de paiement, ASP, et la région Normandie, afin de ne pas revivre les difficultés rencontrées lors du programme précédent en matière de délai et de trésorerie.
La région annonce qu'elle va s'appuyer dès 2022 sur les travaux du GIEC normand et sur la mobilisation des acteurs normands pour déployer sa politique de développement durable, dont le Césaire se réjouit. Mais en termes de prospective, si le réchauffement climatique est un phénomène global, et que ça appellera aussi des mesures internationales, les collectivités territoriales auront un rôle majeur à jouer en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Cependant, le Césaire s'interroge sur l'absence de traduction budgétaire de ces mesures dans le budget principal de la collectivité. Par ailleurs, le Césaire renouvelle sa préoccupation concernant l'absence de signature du CPER et du CPIER en Normandie et considère qu'il est urgent qu'un accord soit trouvé sur la question du financement de la recherche afin de ne pas prendre trop de retard par rapport aux autres régions. Autre élément, le Césaire s'étonne également de trouver si peu de traduction financière du plan Normandie Relance dans le budget de la région. Afin d'en améliorer la visibilité, nous avions demandé lors des orientations budgétaires de mettre en place un système de pastilles plan de relance avec des couleurs différentes en fonction des apports des uns et des autres. Depuis le début de sa mandature, la région a créé un certain nombre d'organismes satellites et le Césaire reformule sa demande de pouvoir bénéficier d'une présentation des budgets primitifs et de clôture de ces satellites dans le cadre d'un budget annexe. Le Césaire avait également demandé à plusieurs reprises de disposer d'une matrice de financement croisé et se félicite de la visibilité de ces financements dans ce budget primitif qui lui est présenté, permettant ainsi d'appréhender plus finement la part de la région et de l'Europe dans le financement des projets régionaux. Césaire renouvelle son souhait que le document budgétaire présenté par programme comporte les chiffres des BP 2021-2022 afin d'avoir de réels points de comparaison. Concernant les observations thématiques, première chose, pour une économie normande dynamique, attractive et innovante, quelques éléments. Le Césaire souligne les efforts faits de la région Normandie pour soutenir l'activité économique via le déploiement d'un nombre important de dispositifs, ce qui permet de couvrir une grande diversité de situations, et il note l'atteinte des objectifs fixés par l'exécutif régional en termes de capital alloué à Normandie Participation. Le Césaire se satisfait par ailleurs des moyens mis en œuvre par la région pour soutenir la structuration financière des entreprises, mais rappelle le besoin de lisibilité des différents dispositifs, notamment concernant les différents fonds. Le Césaire considère qu'il est judicieux que le dispositif ARM perdure et note donc avec satisfaction la mise en œuvre du deuxième volet préventif, surtout dans les conditions sanitaires actuelles. Le Césaire souligne positivement la démarche proactive de la région visant à développer l'export, mais aimerait toutefois disposer de données plus complètes pour pouvoir rendre un avis plus fin sur ce sujet, sachant que le Césaire avait fait en son temps un rapport sur ces politiques-là. Le Césaire constate la multitude de projets lancés en matière d'entrepreneuriat social, secteur important en Normandie. Il s'interroge une fois sur la pertinence de la politique du Rollon, notamment sa connaissance par les Normands. Le Césaire espère que la création d'une société coopérative d'intérêt collectif va permettre de mieux associer les parties prenantes et de développer une monnaie locale. Le Césaire s'interroge quant à l'ambition régionale du soutien de 5000 dossiers, tout en soulignant la bonne programmation des crédits européens au cours du programme précédent. Le Césaire appelle la région à rester vigilante sur la situation des pêcheurs normands, notamment dans le cadre du Brexit, ainsi que sur les moyens à mobiliser en cas de dégradation de leur situation. Si le Césaire se satisfait de la mise en œuvre du plan Normandie Hydrogène, d'ailleurs, pour votre info, hier, Marc Granier, notre membre qui a été rapporteur de ce volet, il faut savoir qu'il est intervenu à France 3 pour présenter effectivement nos préconisations. Il maintient son interrogation quant au solaire photovoltaïque qui semble demeurer à la marge des politiques énergétiques régionales. Enfin, le Césaire rappelle la nécessaire étude de l'opportunité de construction d'une filière normande de panneaux, notamment photovoltaïques ou thermiques. Concernant donc maintenant
sur qui correspond plus à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Le Césaire note avec satisfaction qu'en attente du nouveau schéma régional 2022-2027 et la signature du contrat de plan État-région, l'intégralité des dispositifs concernant l'enseignement supérieur et de la recherche sont reconduits. Néanmoins, il réitère sa grande inquiétude quant au retard pris dans la signature du CPR qu'on a mis en observation générale puisque cette situation risque en effet de prendre en otage les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche qui ne pourraient pas bénéficier d'investissements. Et ceci pourrait être non pas retardé, mais perdu, en sachant que la situation de la recherche dans notre région est déjà très alarmante. Cependant, le soutien anticipé de la région au projet d'investissement des établissements prévus dans le CPR est souligné favorablement par le Césaire. Le maintien des allocations doctorales financées à 50 ou 100% par la région et l'augmentation des sommes qui y sont consacrées est accueilli très positivement par le Césaire. Concernant maintenant permettre à chacun de bâtir son avenir, réussir sa formation, son insertion professionnelle. La mission 1, améliorer les conditions de vie et de réussite dans les lycées et bâtir le lycée du futur, est dotée d'un montant de 387 millions d'euros, connaît une hausse de 46,6 millions d'euros pour l'année 2022. Le Césaire se réjouit que son avis ait été entendu par la région concernant le financement du nouvel équipement sportif pour le futur lycée de Bourrachard. La prochaine programmation pluriannuelle des investissements dans les lycées publics. Si le Césaire rappelle l'importance d'une répartition sur l'ensemble des lycées généraux technologiques et professionnels, comme cela a déjà été évoqué lors du budget primitif 2021, et qu'il y veillera. La région a décidé d'équiper d'un ordinateur portable individuel uniquement les primo-lycéens sous statut scolaire et MFR, et pas les apprentis, donc il en prend note. D'autre part, il y a eu aussi la reconduction des crédits dédiés au Fonds social régional pour un montant de 300 000 euros. Le Césaire souligne la volonté d'engager une réflexion pour améliorer l'articulation entre ce fonds et la tarification des services de restauration et d'hébergement des lycées publics. Le Césaire se réjouit de la volonté d'élargissement du soutien aux élèves déficients visuels à l'échelle de la Normandie, bien sûr en lien avec les autorités académiques. Concernant la mission 2, réussir la relation orientation-emploi-formation, qui s'élève à 12,8 millions d'euros. Il constate une baisse de 0,7 millions d'euros par rapport à 2021. Et d'autre part, il peut s'interroger aussi sur que 2021 sera aussi l'année du nouveau CPRDFOP. Et pour cela, le Césaire a noté que l'évaluation à mi-parcours du programme qui a été réalisé de 2017 à 2022, mais que cette évaluation en 2021 par le cabinet Solea facilitera l'évaluation finale ainsi que la conduite des travaux nécessaires à sa construction. D'autre part, on note avec satisfaction qu'il y a maintenant la présence de 10 coordinateurs sur le territoire normand pour un montant de 1,7 million d'euros, puisque le Césaire rappelle l'importance d'une orientation choisie par les jeunes normands qui passe par un accompagnement personnalisé. Le Césaire a noté la suppression de l'aide à l'investissement aux écoles de production. Le Césaire a noté aussi les besoins en investissement exprimés par les CFA plutôt historiques et non pourvus par l'enveloppe prévue. Pour la mission 5, donc adapter les formations professionnelles au service de l'emploi et des territoires, la région poursuit son effort en matière de formation des demandeurs d'emploi avec le soutien du pacte régional d'investissement dans les compétences, le PRIC depuis 2019 et pour 4 ans, et cette mission d'un montant de 292,6 millions connaît une augmentation de 18 millions d'euros dans ce budget. Il souligne par ailleurs la nécessité de mener une évaluation en termes de politique publique thématique, notamment celle de l'orientation et celle de l'innovation pédagogique plus globalement. De plus, le Césaire souhaite insister sur la nécessité d'avoir une analyse transversale relative aux différentes aides de la région
en matière de formation professionnelle initiale et continue, par exemple, la politique de soutien à l'innovation des organismes de formation doit dépasser l'entrée par segment ou dispositif et permettre une vision globale du soutien à l'innovation. Le Césaire s'inquiète d'entendre des écoles de formation en infirmiers et aides-soignants déplorer de nombreux abandons précoces d'étudiants et s'interroge sur les effets pernicieux du dispositif Parcoursup. Il préconise que des éléments de suivi soient rigoureusement mis en place pour comprendre et résoudre cette problématique, puisqu'il est pour le moins paradoxal et préoccupant que la crise des recrutements dans ce domaine ne fasse que s'aggraver alors où est décidée une hausse des moyens mis en œuvre. Autre objectif pour des transports efficaces au service des personnes et de l'économie. En premier lieu, la commission du Césaire tient à remercier les services de la région pour leur disponibilité et les éclairages apportés aux conseillères et conseillers sur les documents présentés, puisque nous avions deux personnes des services qui étaient présents pour nous apporter tout éclairage. Alors, très rapidement, le budget prévisionnel de cette OS s'établit pour l'année 2022 en dépenses à 368 millions d'euros pour le fonctionnement et 215 millions d'euros pour l'investissement. Et en recettes, à 35 millions d'euros pour le fonctionnement et 15 millions d'euros pour l'investissement. Plus des trois quarts des crédits de paiement concernant la mission 1, hein, tout ce qui est optimisé, l'organisation des transports régionaux, et de 199 millions d'euros sont consacrés au transport interurbain et scolaire, et 162 millions d'euros pour la convention entre la région et SNCF Mobilité. Alors, le budget primitif souligne l'enjeu de la reconquête de la clientèle dans le contexte de crise sanitaire qui, malheureusement, a conduit de nombreux usagers à se détourner des transports en commun. Le Césaire regrette les difficultés de service régulièrement rencontrées sur le réseau ferroviaire qui s'avère peu favorable pour permettre cette reconquête. Et d'autre part, il observera avec intérêt la réflexion que la région va mener en 2022 afin de pouvoir assurer une vente humanisée et faire des gares des lieux de vie en référence à la place des gares au sein des territoires et aux différents services qui peuvent y contribuer leur place. Et d'autre part, le Césaire rappelle l'importance qu'il apporte à la présence humaine, tant en gare qu'à bord des trains. Le Césaire a noté par ailleurs avec satisfaction la signature d'un protocole d'accord entre l'État et la région sur les lignes de desserte fine du territoire, dont l'entretien constitue un enjeu essentiel pour le devenir du transport ferroviaire, ou encore les réouvertures de lignes dont l'étude est programmée. Le Césaire rappelle par ailleurs les importantes disparités existantes entre départements en matière de tarification. Donc ça concerne aussi notamment tout ce qui est transport de cars. Le Césaire souligne l'impact qu'une hausse de tarifs sur certaines lignes pourrait entraîner en termes de fréquentation et note à nouveau que l'existence d'une tarification attractive est de nature à favoriser l'usage des transports collectifs. Le Césaire observe favorablement le fait que des clauses RSE soient prévues dans le cadre du renouvellement des marchés des transports routiers. Le Césaire avait observé avec intérêt les 12 millions d'euros issus du plan de relance européen REACT-EU et il regrette que ces investissements soient prévus exclusivement dans les zones urbaines. Enfin, le sujet de la décarbonation du secteur des transports et mobilités est peu abordé directement au sein du budget primitif. Le Césaire rappelle l'importance majeure de cet enjeu, supposant à la fois, d'une part, des actions de décarbonation du parc ferroviaire ou routier, et d'autre part, d'un report modal sur la voiture individuelle vers les modes collectifs partagés et actifs. Concernant l'objectif stratégique 4, pour un développement équilibré et durable des territoires normands, le budget de cet objectif s'élève à 128 millions d'euros, 6% du budget régional, et est en baisse de 9,4 millions d'euros par rapport à 2021. Et donc, en dépenses, nous avons 114,5 millions d'euros en investissement et 13 millions d'euros en fonctionnement. Plus de 60% de ces crédits concernent l'aménagement du territoire,
notamment les contrats de territoire, la revitalisation des centres, bourgs, renouvellement urbain et requalification des friches. En termes d'environnement, le CESER souligne avec intérêt l'élaboration à venir d'une nouvelle politique en faveur de l'eau et des milieux aquatiques, notamment prendre en compte les travaux du GIEC. En matière de biodiversité, alors que la stratégie régionale de la biodiversité est en cours d'élaboration, le CESER note le nombre relativement faible des réserves naturelles régionales, puisqu'il y en a 6 à l'heure actuelle. Pour vous donner des comparaisons, vous avez des régions qui sont à plus d'une trentaine. Le CESER souligne par ailleurs l'importance de la participation des associations à la vie collective et citoyenne. Or, en ce domaine, la logique de financement par projet génère un manque de visibilité pour le fonctionnement de ces structures, pour lesquelles des modes de financement plus pérennes et pluriannuels seraient opportuns. Au sujet des déchets, le CESER observe l'écart important entre l'objectif de 30% du territoire régional couvert par la tarification incitative c'est un objectif pour 2025, et le nombre de territoires l'ayant mis en œuvre, puisqu'on a 6 EPCI et seulement 6,5% de la population régionale qui en est couvert, même s'il y a eu une augmentation, puisqu'on était à 3% en 2018. Enfin, le CESER tient à souligner la mise en place d'un appel à manifestation d'intérêt Normandie est. Le CESER y voit un signal très positif envoyé au territoire, s'engageant dans cette voie, alors que les bénéfices de leur préservation sont multiples, en termes d'atténuation du changement climatique, du stockage de carbone, de biodiversité, de ressources en eau, de limitation des risques d'inondation ou d'érosion, et y compris d'apport alimentaire en période de sécheresse, puisqu'on peut utiliser les feuilles et les branches. Et l'AMI promeut également une démarche globale associant une pluralité d'acteurs dans ces territoires. Et on trouve qu'il y a une certaine cohérence, mais néanmoins, le CESER souligne la nécessité de favoriser la valorisation du bois bocage local, notamment en matière d'alimentation des chaufferies collectives, et qu'un pourcentage soit intégré dedans. Pour l'attractivité et le rayonnement de la Normandie, objectif 5, le CESER approuve la volonté région Normandie de vouloir développer le secteur du tourisme après la crise, et note avec satisfaction le développement du secteur tourisme dans une multitude de directions, avec l'intégration d'un socle commun pour mettre en œuvre un tourisme durable. Le CESER souligne favorablement l'intégration du tourisme social dans les différentes filières touristiques en Normandie. Il s'interroge toutefois sur le projet médiéval, qui est beaucoup évoqué, mais s'interroge quant à sa mise en œuvre concrète. Toutefois, dans le secteur du tourisme, la baisse du budget d'1 million d'euros, si elle est justifiée par le fonds de réserve du comité régional, interroge quant au prochain exercice budgétaire, qui nécessiteront forcément une hausse. Le CESER souligne à nouveau l'action de la région pour l'accompagnement du département de l'Orne pour le développement du site du Haras du Pin, et notamment le centre équestre international répondant aux enjeux sportifs, économiques, touristiques importants. Pour la mission 2, le CESER souhaiterait avoir des précisions sur le projet de fusion récemment annoncé par voie de presse entre l'Orchestre régional de Normandie et l'Opéra de Rouen-Normandie, qui ne figure pas dans ce rapport primitif 2022. Et on est très prudent, on suppose ou on suppute un risque d'être une absorption au vu du poids inégal entre les deux structures. Et le CESER émet donc de fortes réserves à ce sujet. Il est rappelé enfin que la subvention régionale accordée à l'Opéra est très élevée, puisque même au niveau national, elle est la plus importante qu'une région attribue à un opéra. Le CESER observe avec intérêt le souhait de la région de se saisir du e-sport, un domaine présentant de nouvelles pratiques dont on parle beaucoup, mais pour lequel il n'existe pas encore de filière structurée. Le CESER aimerait par ailleurs recueillir des données sur la pratique du e-sport chez les personnes en situation de handicap. Le CESER remarque avec satisfaction que sa recommandation d'associer davantage des acteurs économiques à la manifestation Normandie pour la paix a été prise en compte pour cette nouvelle édition.
Une représentation du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche sous forme de task force serait particulièrement utile pour enrichir les déplacements internationaux de la région, et c'est une demande que fait le Césaire. Et en conclusion, le Césaire invite la région à prendre en considération les observations formulées dans son présent avis. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire, le rapporteur général. Merci Jean-Pierre. Donc il n'y a pas eu de dépôt d'amendement. Nous allons directement au débat général. Qui désire prendre la parole ? Hugues Sanson. Alors, je veux bien que vous appuyiez au fur et à mesure parce que je n'ai pas vos noms. C'est site 49 ou site. Je ne sais pas où est le siège 49, etc. Donc, Hugues, tu as la parole. Un petit peu déçu, Président, que ça, je ne sais pas que ce soit siège. Eh ben non. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, autant le dire tout de suite, les appréciations, analyses, remarques et suggestions faites dans l'avis qui vient de nous être présenté par Jean-Pierre Giraud sont largement partagées par le groupe CGT. Cependant, quelques commentaires nous viennent à l'esprit à la lecture de cet avis. Ainsi, dans les observations générales, nous sommes en accord avec les propos du Césaire sur l'ensemble des points, notamment sur le fait qu'il ne suffit pas d'annoncer la prise en compte des constats effectués par le GIEC normand dès 2022 et de ne pas en retrouver de traces probantes dans les lignes du budget primitif qui nous est présenté ce jour. Attention au risque porté par l'affichage d'intention qui se trouverait être sans réalité d'action. De même, comment ne pas partager l'inquiétude générale sur la non-signature des contrats CPER et CPER qui plombent les investissements et les financements en matière de recherche, par exemple. Et que dire encore sur le flou entourant la traduction financière du plan Normandie Relance dans le budget de la région. Enfin, à quand une véritable lisibilité sur l'action et les comptes de cette véritable nébuleuse que constituent les satellites créés par la région. Quelques exemples ont été cités dans l'avis, mais rappelons qu'au total, cela serait au moins 17 satellites qui seraient donc recensés. Concernant les observations thématiques sur l'enseignement supérieur et la recherche, nous partageons et déplorons, comme nous l'avons déclaré précédemment, l'absence de signature du contrat de plan État-région. Mais, puisque nous sommes sur ce sujet, nous profitons de l'occasion pour indiquer que la CGT observe positivement l'annonce de l'ouverture d'une filière odontologie sur les universités de Caen et de Rouen. Sachant que la région est la moins dotée de France métropolitaine en chirurgiens dentistes avec une densité de 41 chirurgiens dentistes pour 100 000 habitants et que pour atteindre la moyenne nationale, 63 dentistes pour 100 000 habitants, il manque environ 720 professionnels. Source ARS. Cette ouverture permettrait l'espoir d'une meilleure prise en charge dentaire des citoyens de notre région dans les années à venir et ainsi contribuer à la diminution des inégalités en termes sanitaires. Pour autant, la CGT s'inquiète des moyens alloués, tant financiers qu'humains, qui seront déployés pour ces futurs sites de formation universitaire. En effet, lorsque l'on voit ce qui est proposé dans le cadre des annonces relatives au budget de l'Université de Rouen, il y a beaucoup à craindre. Sans doute, les propositions budgétaires de l'Université de Rouen ne sont-elles pas encore connues de tous. Mais si les intentions du président se concrétisent, des jeunes vont se voir fermer la porte de l'université. Que vont-ils devenir ? Pour la CGT, les choses sont claires. Nous réitérons notre volonté de voir l'ensemble des étudiants respectés dans leurs choix sans qu'aucun d'eux ne reste sur le bord de la route. Sur un autre plan, c'est à la lecture de l'avis concernant la mission améliorer les conditions de vie et de réussite dans les lycées et bâtir le lycée du futur que nous est venue cette réflexion. Si nous pouvons nous satisfaire que l'avis du Césaire ait été entendu par la région concernant le financement d'un nouvel équipement sportif pour le futur lycée de Bourg-Cachard,
Le groupe CGT regrette qu'un effort d'investissement plus important n'ait pas été engagé par la région Normandie pour le financement d'infrastructures déficientes dans certaines disciplines. Ces infrastructures permettraient l'accueil d'un plus grand nombre de délégations étrangères en base arrière lors des prochains Jeux olympiques de Paris en 2024. En ce qui concerne la question de la formation professionnelle, comme nous le constations déjà dans notre déclaration sur les orientations budgétaires 2022, la prolongation du dispositif jeunes diplômés est un non-sens au regard de l'évolution du taux de chômage des jeunes sur un an, moins 11%, chiffre DRET, et des conclusions de l'INSEE qui confirment en septembre 2021 que les difficultés de recrutement ne sont pas supérieures à celles connues avant la pandémie. La CGT dénonce de nouveau l'hypocrisie de ce dispositif qui propose aux entreprises d'accueillir des jeunes diplômés en tant que stagiaires professionnels sur un poste de travail indemnisé 650 euros par mois au détriment d'un contrat de travail et d'une rémunération à hauteur de la qualification acquise. L'évaluation du prix du point de vue de la satisfaction des publics bénéficiaires devient plus que nécessaire au regard du montant financier identique à celui programmé en 2021, à savoir 252 millions d'euros. Accompagner les jeunes et les demandeurs d'emploi ne signifie pas de les détourner, quoi qu'il en coûte, de leurs aspirations. Pour la CGT, la formation doit rester avant tout facteur d'émancipation et non seulement une réponse aux besoins des territoires, synonyme en fait aux besoins des entreprises. Contrairement à ce que déclarait la haute commissaire aux compétences le 30 novembre 2021 au colloque de Centre Info, la CGT pense qu'une politique de formation professionnelle qui s'adosse clairement sur les besoins de l'économie locale ne peut être imaginée comme éducation permanente. Pour la CGT, les besoins en formation sur les territoires doivent correspondre au projet de vie des habitants. Concernant la partie de la vie intitulée « Pour des transports efficaces au service des personnes et de l'économie ». Cette partie comporte un grand nombre de remarques et de préconisations du Césaire que nous estimons pertinentes. Nous l'avions déjà déclaré lors des orientations budgétaires, mais tout comme l'avis du Césaire le fait remarquer, l'importance de la présence humaine, tant en gare qu'à bord des trains, à la fois en matière de sécurité, d'information aux voyageurs que de lutte contre la fraude, est primordiale. Rappelons que la direction SNCF, déjà épinglée par la défenseuse des droits pour ses gares déshumanisées, qui constituent une inégalité de traitement envers les usagers, a décidé de mettre en place l'accompagnement non systématique des trains, l'acronyme c'est ANS, entre Rouen, Le Havre, et Rouen, Dieppe, c'est-à-dire la suppression des contrôleurs. Pour notre part, à l'instar de l'intersyndicale des cheminots, qui l'ont encore expliqué dernièrement au vice-président des transports Jean-Baptiste Gastine, nous ne comprendrions pas que la région valide une telle dégradation de l'organisation ferroviaire. Cette remarque importante étant faite, le groupe CGT votera favorablement l'avis du Césaire. Merci Hugues. Je donne la parole à Valérie Rubacoutier, qui est en visio, puis ça sera André Berne, et après nous reviendrons dans la salle. Valérie. Bonjour à toutes et tous, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah. Bon, c'est parfait alors. Je vais être assez succincte, hein, on est d'accord? Mais très bien. On est déjà un petit peu en retard. Donc, la présentation du budget principal pour 2022 avec ses 691 pages donne de la lisibilité et un véritable éclairage aux propositions de la région. La CFTC tient en préambule à remercier ses rédacteurs. Certaines parties de ce document appellent de nombreux commentaires. Je me contenterai d'en évoquer deux. La première remarque concerne l'appel à manifestation d'intérêt Normandie Haies. Il faut non seulement préserver les écosystèmes existants, mais aussi en permettre leur développement. La volonté de la région est suivie d'un plan d'action qui permettra à 10 EPCI et leurs groupements d'avoir une aide en ingénierie, mais aussi de bénéficier d'un budget forfaitaire de 80 000 euros. Sans être suffisant au regard des coûts nécessaires, ils seront incitatifs, voire déterminants, pour préserver, développer et créer par la même occasion des filières d'économie circulaire de proximité afin de valoriser les haies caractéristiques de nos paysages normands. La CFTC se félicite de cette initiative attendue depuis longtemps, qui devra pourtant remporter le soutien des propriétaires privés.
Le second commentaire concerne la mobilité. Depuis le 1er janvier 2020, la région Normandie a pris la gouvernance des lignes normandes intercités, avec pour objectif améliorer la qualité du service rendu aux clients. Elle s'engage aussi à organiser ses transports afin d'en faciliter l'utilisation aux voyageurs. Le choix de transport vers lequel se tourne tout usager est conditionné au préalable, sans aucun doute, par la ponctualité, la fiabilité, le rapport qualité-coût et l'accessibilité. Il est toujours utile de rappeler que lorsque l'on a l'ambition de se fixer des objectifs de qualité de service dans les 90 gares du réseau normand, la priorité, avant même d'améliorer l'information aux voyageurs, est de proposer des trains. Et bien sûr, des trains fiables, des trains en capacité de fonctionner, des trains à l'heure, des trains accompagnés de contrôleurs ou agents de voyage. Grand oublié du TGV pour le moment, la Normandie a encore une carte à jouer dans la qualité et la coordination de ses modes de transport. Quant au schéma vélo, pierre angulaire de la multimodalité, il se doit de sortir des zones urbaines, mais aussi devenir une solution alternative et complétive aux modes de transport existants. Pour beaucoup d'entre nous, la voiture est la seule réponse adaptée à l'insuffisance de transport en commun en Normandie, et particulièrement en zone rurale. Ne nous trompons pas de trajectoire, commençons par redonner du sens à l'intérêt général et des services publics de qualité aux Normands. La CFTC votera pour la délibération. Merci. Merci Valérie. Je donne la parole à André Berne, puis à Anne Pinel. André. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Oui, bonjour Monsieur le Président. Bonjour chers collègues. Merci à Jean-Pierre de sa présentation. Voilà, je voulais faire juste un petit commentaire qui n'a pas fait l'objet donc à ce stade d'un écrit précis au terme d'amendement. Et c'est sur la question de la continuité environnementale des aides. Voilà, nous vivons, on le sait, dans une période qui est extrêmement difficile sur le plan environnemental, sur deux thèmes. D'une part, celui du changement climatique, par celui de la chute de la biodiversité. Donc, dans les discussions qu'on a eues tant en C3 qu'en C4, il nous est apparu qu'il serait quand même, nécessaire et naturel qu'à un moment donné, on se préoccupe de cette question et que les financements publics qu'accorde la région et surtout d'ailleurs tous les satellites que la région a créés et qui sont des vecteurs importants en termes de financement, puissent participer à cet effort par la mise en place, au-delà du RSE, d'une conditionnalité environnementale des aides. Donc à ce stade, il n'y a pas évidemment d'écrit particulier, mais je suggère quand même que dès 2022, on puisse s'atteler à cette tâche pour, donc, dans le prochain budget de 2023, on puisse introduire pour toute partie des aides, soit de la région, soit des satellites, cette question de conditionnalité environnementale. Il est nécessaire, il est utile que tous les efforts convergent vers ce sujet. Voilà, merci de m'avoir écouté, chers collègues. Merci André. Anne Pinel, la parole. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Après le vote. Anne ? Oui, pardon. Parle de... Mon micro clic. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonjour à toutes et tous, présents et distants. Alors, si ceci est une simple explication de vote, hein, plus qu'une déclaration, et si globalement l'Union syndicale solidaire Normandie approuve le projet d'avis sur le budget primitif principal, nous avons tout de même un point de désaccord, c'est la raison de cette explication de vote. L'Union syndicale solidaire de Normandie confirme sa position énoncée lors de l'Assemblée plénière du 15 février 2018, c'est-à-dire une opposition absolue à l'existence d'écoles de production. Par conséquent, Solidaire Normandie s'oppose au subventionnement de ces écoles de production par la région. Et c'est pourquoi l'Union syndicale Solidaire Normandie s'abstiendra sur le projet d'avis du Césaire pour le BP principal 2022. Merci Anne. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas. À distance, André Berne, est-ce que tu demandes à nouveau la parole ou non ? Parce que... Non ? C'est le silence. Oui, non, j'avais oublié de baisser ma main, excusez-moi. Voilà, merci. Donc, pas d'autres demandes de prise de parole ?
Monsieur le rapporteur général, est-ce qu'il y a quelques observations par rapport aux déclarations? Non? D'accord. Avant de procéder au vote, je rappelle que nous votons l'avis du Césaire concernant le budget de la région et nous ne votons pas le budget de la région. Ce n'est pas notre rôle. C'est à l'Assemblée régionale, bien évidemment, de le faire. Je le précise, notamment pour les nouveaux conseillers, c'est bien l'avis du Césaire et dans les termes qui sont écrits et qui n'ont pas été amendés. Eh bien, j'ouvre le vote. Ça, c'est pour à distance. Et nous ne dirons rien simplement. Qui vote contre ? Personne. Qui s'abstient ? D'accord. Merci. Encore une dizaine de votants. On va attendre encore un peu. Quand je vais clore le scrutin, de toute façon, on va attendre encore à peu près 20 secondes, hein, le temps que les derniers votes arrivent. Le scrutin est clos. On attend une petite vingtaine de secondes. Donc, dans l'hémicycle, une abstention et 57 pour, et à distance, une abstention et 57 pour. C'est donc adopté par 114 voix. Je vous remercie. Madame la vice-présidente, quels sont vos commentaires ? Oui. C'est pas naturel, j'ai compris comment ça fonctionne. Mais je vous remercie, parce que en plus, voilà. Merci, l'écran Monsieur le Président. Bah, tout d'abord, saluer le travail et Jean-Pierre Giraud, le rapporteur général, sur l'analyse qui est collective, probablement. Je suppose que tu n'as pas écrit ça tout seul. Et en tout cas, moi, ça m'a éclairé sur un certain nombre de sujets. J'en ferai forcément l'écho au niveau du Conseil régional en réunion. Et comme vous l'avez précisé, le budget sera voté par l'Assemblée plénière avec la séance de lundi qui est, comme vous... à un tiers seulement de présents, ce qui est un petit peu, ce qui est pour nous aussi assez chagrinant. Donc j'apprécie particulièrement d'être là aujourd'hui, puisque finalement il y a un débat assez important ici. Alors j'ai noté quelque chose, j'ai vu des problèmes de forme que je ferai remonter au service, de lisibilité. Alors derrière la forme, il y a toujours du fond. Quand vous me dites qu'il y a 17 satellites de la région, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, je pense qu'il y a, surtout un problème de fond derrière qui serait intéressant, que peut-être que les services finances éclairent en la matière, mais je pense que de toute façon, derrière, il y a aussi des positionnements de la région à revoir. Bon, je note le service ASP, c'est important que la région soit réactive. On est quand même une grosse machine, mais je crois que le président Morin est très attaché à ce qu'elle soit... de proximité, agile et rapide, et je tiens note des difficultés que vous avez mis en lumière. Le CPER, le CPIER, alors en tant qu'élu local et régional, c'est évidemment un sujet que j'ai encore évoqué hier soir avec la SNCF, on l'a évoqué avec le préfet Sangemont aussi, on l'a évoqué avec les communautés urbaines du Havre ou autres, voilà. On est tous à solliciter aussi un règlement rapide, je crois que c'est en cours.
Et puis ça me fait penser aussi à la problématique du trou financier que le manque de fréquentation génère aussi dans nos transports ferroviaires. C'est un sujet qu'on a évoqué longuement hier soir avec SNCF Réseau qui est venu sur mon territoire et j'en ferai aussi le porte-parole au niveau de la région. Effectivement, vous l'avez souligné, il y avait un plan ambitieux, plus de trains, plus de monde. Et le plus de monde a été largement freiné par cette crise sanitaire. Et vous mettez en exergue quelque chose que je partage avec vous, c'est aussi la tarification. Et ça, c'est un vrai sujet à voir, tarification attractive et incitative pour utiliser les transports en commun. C'est un des éléments de décarbonation. Et je n'ai pas aujourd'hui de réponse à vous apporter quant à l'analyse des tarifs, ni à l'utilisation des petites lignes fines du territoire, même si la région s'y consacre notamment à travers des innovations comme le taxi-rail, pour utiliser, vous savez, des anciennes lignes de fret ou des petites lignes fines, de mettre des modules autonomes sur les différentes voies pour inciter encore et encore au transport collectif. Donc ça, c'est des choses qu'on verra apparaître aussi dans le budget 2022-2023. J'ai noté aussi votre satisfaction contre le soutien de l'activité économique. On a vraiment, je ne vais pas faire de jeu de mots, mais c'est vraiment l'ADN de la région et c'est ce qu'elle a vraiment réussi à faire, même s'il y a besoin de lisibilité dans les différents fonds. La pertinence de la politique du Rollon, je laisserai les services de la région répondre là-dessus. Je n'ai pas non plus encore exactement, Monsieur le Président, à chaque fois qu'il... Enfin, prône énormément au niveau de l'économie sociale et solidaire et les systèmes locaux d'économie, le Rollon. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, je constate comme vous un manque d'appropriation des habitants, mais aussi des commerçants qui pourraient l'utiliser. Et je crois qu'il y a eu d'autres considérations ces deux dernières années qui n'ont pas laissé place à une grande motivation sur le Rollon et ce sera en surveillance. Normandie Hydrogène, vous l'avez évoqué, c'est un plan alors, peut-être pas encore assez ambitieux, c'est certain, c'est ce que j'ai dit moi aussi sur France 3 hier à la suite de Marc Granier. Et le photovoltaïque est un sujet encore un peu flou sur les territoires en général et la région peut-être est dans une position d'attente à ce sujet, me semble-t-il, puisque nous avons aussi, vous avez évoqué l'industrie automobile, mais surtout ce qui est construction, ombrières, vous citiez les ombrières, les parkings, c'est compliqué aujourd'hui que le photovoltaïque investisse ses toits, alors que moi je pense, et la région aussi, qu'il ne doit pas trop investir les terrains. C'est important de préserver nos espaces naturels et nos terrains, et le photovoltaïque sur le toit coûte entre 5 et 7 fois plus cher. Donc on a un petit souci de modèle économique encore là-dessus. Malgré tout, le ZAN, vous ne l'avez pas évoqué aussi nettement, le zéro artificialisation nette des territoires, avec un décret qui devrait être appliqué, permettrait d'utiliser des terrains pour le photovoltaïque qui ne seraient pas soumis aux réglementations du ZAN. Donc qui ne seraient pas considérés comme de l'extensif au niveau de la consommation foncière. Alors ça peut permettre sur certains terrains, de manière provisoire, sur 20 ans, c'est à peu près le modèle économique du photovoltaïque, de développer des fermes solaires et en répondre à nos objectifs d'énergie, de production d'énergie renouvelable sur le territoire. Ça me paraît aussi intéressant. Je note aussi, et je voudrais revenir sur tout ce qui est filière locale de bois. Vous avez évoqué que les ligneux, les haies pouvaient aussi favoriser l'approvisionnement des chaufferies biomasse, mais là, on a aussi des problèmes de réglementation. C'est-à-dire que quand on étudie un dossier pour monter une usine de pellets ou pour pouvoir alimenter des chaufferies biomasse qui existent sur le territoire normand, il y en a un certain nombre, mais j'en ai une d'ailleurs sur mon territoire, eh bien, on se retrouve confronté avec les services d'Adréal qui nous disent « mais non, il ne faut pas toucher aux haies, c'est de la biodiversité, donc on n'autorise pas ces filières-là pour être utilisées dans les chaufferies biomasse ou les fabrications de pellets ». Dans les deux derniers dossiers, c'est ce qu'on s'est vu répondre. Donc il y a encore un petit peu de réglementation avant que peut-être la région, par le biais de financement ou autre, le fasse de manière massive. Malgré tout, quand on compare les projets de territoire, la région est incitative sur les haies, mais je crois que beaucoup de collectivités s'en sont aperçues aussi et qu'il y a une vraie filière bois qui se développe et une vraie reconstitution de haies, et vous l'avez dit, en termes d'érosion, de lutte contre les ruissellements et paysager. Il ne faut pas oublier le paysager. Notre paysage est extrêmement important. C'est notre patrimoine aussi en Normandie et assez favorable. Vous avez évoqué le dispositif ARM. Je vais pas revenir dessus. Et j'avais noté encore un ou deux choses. Sur les enseignements supérieurs, je ne connais pas extrêmement bien la question et je serai certainement plus pointu l'année prochaine lorsqu'on évoquera ces sujets-là. Je n'ai pas bien compris les besoins d'investissement des CFA plutôt historiques
Et puis, je n'ai pas bien compris la position de Mme Anne Pinel sur les écoles de production. On aura l'occasion d'échanger à ce sujet-là, puisque c'est en baisse d'investissement, mais ce sont des outils avec l'école de la seconde chance qui ont été utilisés de manière spécifique. C'est adapté à certains territoires et pas à d'autres. Mais je remonterai à votre déclaration de février 2018 que je devrais retrouver dans les archives pour mieux comprendre cette position. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à y apporter. Voilà, je reconnais bien là Jean-Pierre... le stylo de Jean-Pierre sur le nombre assez faible de réserves naturelles régionales. Mais je pense que c'est un sujet partagé par les collègues. Et puis, peut-être pour en terminer, de rappeler aussi la position proactive de la région sur le fait que les gares deviennent des lieux de vie. Le maillage ferroviaire est vraiment important. Je reviens sur un des premiers éléments que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais le ferroviaire pour nous et le fait de faire des gares, des lieux de passage, mais aussi de résidence, des lieux où on peut se poser, et puis de rappeler aussi que les problématiques ferroviaires, les difficultés ferroviaires viennent principalement d'éléments extérieurs. C'est 865 chocs d'animaux sur les trains sur les trois derniers mois, ce qui est vraiment énorme et qui provoque des retards, qui provoque aussi des difficultés. Et la densité qui a été voulue pour pouvoir mettre plus de trains sur les lignes a accentué encore ces difficultés. Et il y a un vrai partenariat avec la région et SNCF Normandie, hein, puisque maintenant il y a une forme d'autonomie des services de SNCF sur la région pour pouvoir améliorer les choses. Mais après la résolution de cet écart financier entre ce qu'on espérait en recettes voyageurs et ce qu'on a eu réellement pendant cette période de 2 ans. Et puis, je regardais sur les derniers points de ces PIR, vous l'avez dit, les satellites, l'ondotologie, la conditionnalité environnementale des aides régions par les satellites. Bon, ça me paraît une évidence. Et je pense qu'avec le rapport du GIEC, même si ce n'est pas traduit budgétairement tel que vous voyez, parce que le rapport du GIEC, c'est assez récent. Donc, dans la construction budgétaire 2023 en matière de prospective, je pense que ce sont des choses qui seront aussi appuyées par l'ensemble de mes collègues. Dernier point, peut-être quand même, 2 choses sur l'orchestre régional de Normandie et puis sur l'opéra. D'après les premières discussions dont j'ai eu connaissance, il y a plutôt un avis positif des partenaires et puis des enseignants et puis des professionnels qui sont dans ces 2 ensembles puisqu'il y a un projet derrière. Ce n'est pas une fusion pour l'économie, mais un vrai projet. Catherine Morin-Desailly l'a largement rappelé, le rappellera en plénière lundi. C'est vraiment pour pouvoir diffuser plus largement. Et comme vous, moi, en OS budgétaire, j'ai remarqué que l'aide de la région à l'Opéra de Rouen était assez exceptionnelle par rapport à d'autres territoires. Et en la matière, il y aura peut-être des questionnements là-dessus, mais je n'ai pas plus d'éléments. Et puis sur l'office de tourisme, je fais partie des élus. J'ai prôné pour que toutes les associations ou satellites qui avaient des réserves, des excédents budgétaires du fait de la pandémie notamment, quand ces associations ou organismes ont touché le chômage partiel, il était pour moi un non-sens complet de leur verser la subvention pleine et entière comme s'ils avaient payé leurs salariés. Et je crois que beaucoup de collectivités l'ont appliqué sur l'ensemble des territoires et c'est bien une mesure conjoncturelle, non pas structurelle concernant le tourisme qui devra rebondir et qui est un des éléments économiques majeurs de la région. Mais sincèrement, la région ne pouvait pas décemment verser la totalité de la somme habituelle dans la mesure où les dépenses en face n'avaient pas eu lieu et qu'en plus l'État avait abondé à travers le chômage partiel. Alors là, c'est une logique de financière que je vous explique là. Je l'illustre avec le comité régional du tourisme et on l'a appliqué à l'ensemble des associations dans la mesure où la subvention de la région finançait principalement les frais de personnel. Voilà. Donc, excusez pour peut-être une approche pas assez approfondie, mais je découvre, comme certains membres du Césaire aussi, le budget régional. Je pense être plus pointu l'année prochaine. Et je vais vous formuler une deuxième séance d'excuses puisque je vais devoir vous laisser. Dans mon agenda, il était prévu que je reste à peu près jusqu'à midi et on m'attend sur le territoire, sur ma commune. J'en suis vraiment désolée. Je prévoirai aussi l'année prochaine ou dans les prochaines séances un temps plus long avec vous parce que les travaux sont vraiment intéressants et je tenais vraiment à vous en remercier, Monsieur le Président, ainsi que tous les conseillers ici présents et non présents, que je salue. Voilà, merci. Merci, Madame la Vice-Présidente. Tout autant sur le fond que sur votre manière d'intervenir, je crois qu'il sera salué et d'avoir une relation aussi simple que celle-ci nous va très bien. C'est le style de la maison, donc il n'y a aucun problème. Bon, je suis bien ici, alors.
Alors, voilà. Et bon retour. Merci. Régis Chopin avait demandé la parole. A-t-il demandé la parole vraiment ? Bon, il se signalera après s'il le veut, mais après le vote de l'avis suivant. Bon, c'est bon, Jean-Luc, c'est bon. Oui. Régis Chopin, oui. Je suis désolé de réagir tard. Je voulais réagir par rapport aux propos de la vice-présidente qui vient de nous quitter. Elle est encore là, elle est encore là. Elle est encore là. Alors, si elle m'entend, voilà, je crois qu'il faut être prudent dans vos propos, madame, concernant le photovoltaïque sur le foncier agricole. Vous savez que la profession agricole a sélectionné des priorités, et la priorité, c'est bien sûr d'abord le photovoltaïque, d'abord sur les toits. Nous avons accepté que certaines parcelles agricoles soient, je veux dire, réorientées vers une production d'énergie renouvelable, notamment le photovoltaïque, lorsque ces parcelles ont quitté la destination principale, destination de foncier agricole. C'est-à-dire que c'est une ancienne friche ou ancienne décharge ou terrain industriel qui ont été, je veux dire, réaménagés, mais qui ne peuvent pas retrouver la destination agricole. Cet aspect-là est très important. Je pense que le président Morin est complètement en phase avec les priorités que la profession agricole a définies et qu'il faut absolument que la région ne se trouve pas en désaccord avec les préconisations de la profession agricole. Voilà, c'est l'essentiel de ma remarque. Merci Jean-Luc. Merci Monsieur Chopin de préciser les choses, puisque je n'ai pas cité exactement la nature des terrains, effectivement. Sur nos territoires, ce sont effectivement des friches, mais il y a aussi beaucoup de terrains à urbaniser qui ne sont pas occupés aujourd'hui par des espaces agricoles. Vous faites le tour des schémas de cohérence ou des PLUI. C'est beaucoup de terrains AU qu'on va devoir changer de destination. Et c'est ces terrains-là qu'on évoquait aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas utilisés d'un point de vue agricole. Ils ne le sont pas utilisés d'un point de vue économique. Il va bien falloir trouver des destinations pour ces terrains-là. Et j'encourage certains territoires à bien réfléchir en la matière. Et s'il y a des obligations de photovoltaïque au sol, de regarder aussi ces terrains-là, parce que ça voudrait dire que dans 10, 15, 20 ans, en cas de pénurie de terrains agricoles, pourrait être rendu aussi au monde agricole après cette phase transitoire. Mais après, c'est certainement spécifique à beaucoup de... à peu de territoires. Sur la dimension agricole, je reconnais bien évidemment l'engouement, enfin, la position ferme et claire d'Hervé Morin en la matière pour préserver les espaces, parce que c'est ce qui nous nourrit, notamment. C'est ce qu'on disait encore hier, ça nourrit les animaux, et ça participe aussi à la décarbonisation de l'industrie à travers les biocarburants qui vont être testés notamment sur la ligne, alors je crois, ça va être Dives-Deauville, puisque le diesel va être remplacé par du B100. Donc voilà, le monde agricole fait partie de l'économie largement. Mais je n'ai pas précisé les choses, mais ce décret-là est à surveiller et ce serait bien que le Césaire nous donne son avis sur ce décret, sur le ZAN en général. Je pense que beaucoup de territoires l'attendent. Voilà. Et cette fois-ci... Oui, allez-y, courez. Au revoir, madame. Nous examinons maintenant le projet d'avis sur le budget primitif 2022 au titre du budget annexe de la restauration administrative. Ce projet d'avis a été examiné par la commission 6 le vendredi 3 décembre. Il est présenté par le rapporteur général Jean-Pierre Giraud. Très très rapide, la restauration administrative. On va vous présenter le slide. Et donc, vous savez qu'elle est en régie directe depuis le 1er juillet 2010. Donc, son budget de fonctionnement s'élève à 657 428 euros. Il est en baisse de 3% par rapport à 2020-T1, où il était à 779 312 euros, essentiellement dû au contexte sanitaire, puisqu'il y a eu la fermeture du restaurant durant le confinement et la mise en place du télétravail qui réduit le nombre, bien entendu, de rationnaires. Les dépenses d'investissement, 33 564 euros, concernent essentiellement le renouvellement des logiciels informatiques. Et puis, bien entendu, il y a aussi les amortissements.
Voilà, il faut savoir que les recettes d'investissement sont forcément issues de la subvention d'équilibre qui est versée par le budget principal. Et vous pouvez voir que l'équilibre budgétaire est assuré par le versement par le budget principal d'une subvention d'équilibre globale d'un montant estimé de 483 864 euros. Le Césaire, je vous signale, espère que la région obtiendra l'autorisation du Trésor public pour intégrer ce budget annexe au budget principal et prend acte du budget annexe de la restauration administrative pour l'année 2022. Merci Jean-Pierre. Il n'y a pas eu d'amendement, donc directement au débat général. Qui demande la parole ? Anne Pinel. Merci, Monsieur le Président. L'Union syndicale solidaire Normandie confirme sa position exprimée lors de l'Assemblée plénière du 15 juillet 2021, qui est de préférer la séparation entre le budget principal et le budget annexe de la restauration administrative, comme en a fait le choix la région. C'est pourquoi l'Union syndicale solidaire Normandie s'abstiendra sur ce projet d'avis. Merci, Anne. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Je n'en vois pas dans l'hémicycle, je n'entends personne à distance. Eh bien, je soumets au vote. Le scrutin est ouvert. Dans l'hémicycle, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le scrutin est clos. Nous attendons encore une petite vingtaine de secondes. Abstention. 57 pour et 4 abstentions en visio, ce qui nous fait... 5 abstentions. Donc le projet... 2 abstentions présidentielles. Ah d'accord, excuse-moi. Je n'avais pas vu ta main non plus. 113 pour et... 113 pour et 6 abstentions. Le projet d'avis sur le budget primitif 2022, budget annexe de restauration administrative, est adopté à la majorité. Je vous remercie. Nous examinons maintenant le projet d'avis sur permettre l'accès à la santé des Normands sur tout le territoire. Ce projet d'avis a été examiné par la commission 2 le mardi 30 novembre. Il est présenté par Jocelyne Ambroise, qui est à distance. Jocelyne, tu as la parole. Bonjour toutes et tous. Bonjour Jocelyne, et on t'entend très bien. Super. Le Césaire a déjà eu l'occasion d'exprimer sa déception et son incompréhension à l'annonce de l'enveloppe que l'État a décidé d'allouer à la Normandie dans les suites du Ségur de la Santé. Un courrier adressé en ce sens en juillet dernier au directeur de l'Agence régionale de santé, l'ARS, est malheureusement resté sans réponse. Dans ce contexte, on peut saluer d'autant plus l'effort important et inédit de la région qui, bien que n'ayant pas compétence en matière de santé,
a néanmoins décidé d'investir 200 millions d'euros dans ce domaine au titre du plan régional d'investissement dans les établissements de santé sur la période 2021-2030. Toutefois, si le montant global des investissements prévus à hauteur de 455 millions d'euros, puisqu'il s'agit de 200 millions d'euros pour la région et 255 pour l'ARS, peut sembler à première vue très important, il n'en demeurera pas moins très en deçà des besoins et urgences recensés dans notre région et ne constituera certainement pas le plan de rattrapage que le Césaire a appelé de ses voeux à plusieurs reprises. En ce qui concerne la charte partenariale pour l'accès aux soins ambulatoires en Normandie, le Césaire salue l'initiative d'un accord qui se propose d'aller plus loin que la charte précédente, laquelle portait uniquement sur les pôles de santé libéraux ambulatoires. Néanmoins, il lui semble que le nombre très important de partenaires recensés à l'article 5 de la charte, associé à l'absence totale d'éléments budgétaires dans le document, constitue un point de fragilité dans les engagements véritablement attendus par les différentes parties. Sans pouvoir restituer tout ce qui a été pointé et préconisé dans le rapport conséquent que le Césaire a récemment consacré à la santé et à la lecture qu'elle il renvoie, il est rappelé avec insistance que si la formation des médecins et autres professionnels de santé est essentielle, l'augmentation du nombre de places dans les facultés de médecine va naturellement dans le bon sens, ces efforts ne porteront leurs fruits que si toutes les conditions de maintien des étudiants sur notre territoire sont mises en œuvre. L'enseignement et l'encadrement des étudiants restent deux points primordiaux à sécuriser qui nécessitent, entre autres, la création de postes hospitalo-universitaires. Est-il enfin besoin de rappeler que rien ne sera réglé tant que des mesures nationales ne seront pas prises en vue d'une meilleure répartition des professionnels de santé sur les territoires, notamment des médecins? En conclusion, le Césaire prend acte des propositions formulées dans ce rapport sur l'accès à la santé des Normands et restera extrêmement attentif à la mise en œuvre des stratégies présentées. Je vous remercie. Merci, Jocelyne. Nous passons directement au débat général. Qui désire prendre la parole? Plusieurs personnes. Emmanuel Jean Desmangal. Non, je me suis trompé, donc ce ne sera pas Emmanuel dans un premier temps. Ce sera qui? Le siège 89. Ah, c'est... Monsieur Maillard. Oui. Non, c'est pas toi, alors c'est pas toi non plus. Oui, c'était moi, mais j'avais demandé la parole. Ah, c'était Jean-Pierre, voilà. Vas-y. Bon, ben, moi, ça sera très... Après, Emmanuel. Moi, ça sera extrêmement rapide. C'est qu'en plus, quand on connaît l'état de santé à l'heure actuelle et psychologique du monde médical et notamment des médecins, quand on voit les statistiques des pensées suicidaires des médecins, du burn-out des médecins, on ne peut être qu'inquiet. Et du nombre de médecins qui sont en train de faire leur dossier de retraite à des âges où d'habitude ils ne partaient pas, puisqu'ils en ont ras-le-bol. Et donc on va se retrouver dans notre région avec une situation de démographie médicale catastrophique. Merci Jean-Pierre. Tu veux que je ne me trompe pas? Le siège 34. Merci. Merci Jean-Luc. Je ne veux rien ajouter à l'avis qui a été exprimé par Jocelyne Ambroise et qui avait donné lieu à des débats et une validation de la commission. Mais simplement souligner pour mes collègues que ce qui a été dit dans cet avis sur la nécessité d'obtenir des postes supplémentaires d'hospitalo-universitaires, c'est-à-dire d'universitaires dans le secteur de la formation des étudiants en médecine, en odontologie, en pharmacie, en maïeutique, enfin l'ensemble des besoins de formation,
L'augmentation de ces nombres d'enseignants est absolument indispensable, que nous sommes extrêmement défavorisés dans la région Normandie, que quand on compare des chiffres avec des CHU de régions équivalentes et de volume d'activité équivalent, on est quasiment à 40% ou 50% de moins de postes d'enseignants, et que donc il est illusoire de penser qu'on pourra augmenter le nombre d'étudiants, notamment d'étudiants en médecine, d'étudiants en odontologie, dont on a tant besoin, si on n'augmente pas aussi et de manière corrélative le nombre d'universitaires. Alors on vient de voir, en obtenant enfin, après des années de lobbying et de pression du ministère de l'Enseignement supérieur, le fait de pouvoir avoir des facultés dentaires à Caen et à Rouen dans les années qui viennent, tant mieux, on ne peut que s'en réjouir, même si ça a pris beaucoup de temps. Essayons d'obtenir avec le même levier et la même pression et dans des conditions plus rapides une augmentation significative du nombre d'universitaires. Sinon, nous ne pourrons pas augmenter le nombre d'étudiants en médecine. Merci Emmanuel. Et maintenant, je donne la parole à Emmanuel Maillard. Et après, Maud Lannon. Oui. Cher président, conseiller, conseillère, bonjour. Donc, déclaration du groupe CGT. La CGT observe la volonté de la région à mettre en place un plan régional d'investissement dans les établissements de santé. Il est toutefois déplorable que des fonds régionaux pallient le manquement de l'État. Cependant, si l'on peut accueillir favorablement cet engagement, il faut raison garder. 200 millions d'euros d'investissement sur 10 ans, cela représente 20 millions d'euros par an. Ajouté aux 255 millions d'engagement de la part de l'Agence régionale de santé, ARS, sur 10 ans également, le risque de saupoudrage est réel. Or, le besoin est, faut-il le rappeler, de moderniser les établissements de santé normands, de pérenniser les structures existantes et même de développer l'offre de soins afin que chaque Normande et chaque Normand puisse accéder de façon égalitaire aux moyens lui permettant la préservation de sa santé. Dans la liste des projets sélectionnés en concertation avec l'ARS et éligibles aux subventions figurent des établissements privés. La CGT rappelle que l'argent des contribuables, donc l'argent public, doit avant tout servir l'intérêt général dispensé par les établissements publics. Elle est donc en complet désaccord quant à financer des cliniques ou établissements privés qui n'ont d'autre but que de faire du profit avec la santé de nos concitoyens. La CGT désapprouve donc ses choix et souhaite un fléchage précis des fonds régionaux engagés. Enfin, puisque nous parlons santé et dans ce contexte d'énième vague Covid, la CGT alerte sur l'état de souffrance de l'hôpital public, son manque d'attractivité, l'épuisement des personnels issus de l'insuffisance de ses moyens humains et budgétaires. Pardon. Les secteurs du médico-social, de la psychiatrie, des maisons de retraite ne sont pas épargnés. Il est clair que les mesures dites Ségur ne répondent en rien aux attentes. Il est donc urgent que les pouvoirs publics s'intéressent de très près au personnel qui œuvre dans ces établissements. La CGT votera favorablement l'avis. Et j'imprimerai sur papier la prochaine fois pour ne pas être embêté par une extension d'écran. Excusez-moi. Merci Emmanuel. Je donne la parole à Maud Lannon. Est-ce qu'il y aura d'autres demandes de prise de parole ? Président, chers collègues membres du CESER, il est écrit dans la délibération de la région, je cite, « L'accès aux soins sur tous les territoires pour l'ensemble de la population normande est l'objectif principal de la stratégie régionale de santé. » En effet, cette phrase est excellente et l'intention est louable. Après au moins 3 décennies de fermeture de services et de lits, avec disparition de certaines activités, comme la cardiologie, la maternité, les urgences, dans les petits établissements, au profit des plus grandes structures, avec la création des GHT.
Or, la crise sanitaire vient démontrer l'efficacité du maintien des activités pour supporter l'afflux massif de patients et de surcroît les tensions. Ces CH dits de proximité, à la condition de disposer de moyens en lits, en services et en personnel, peuvent désengorger les structures les plus importantes, comme cela fut le cas au moment des pics épidémiques. À ceci près qu'ils n'avaient pas ou n'ont toujours pas ou peu de moyens. Et encore faudrait-il leur laisser, à minima, un certain nombre d'activités différentes qui rendraient un petit peu plus d'attractivité. Sur le volet de l'ambulatoire, qui est une priorité affichée du gouvernement, sa viabilité est modérée dès lors que le geste technique nécessite un support H24, 7 jours sur 7, avec le risque d'une hospitalisation non prévue. Autrement dit, un service ambulatoire sans ce soutien est inévitablement voué à l'échec. Par ailleurs, l'ambulatoire concerne le soin programmé. Ce service n'est pas réellement un enjeu de santé publique répondant favorablement à l'accès et à la permanence des soins. FO pense que la véritable force d'un territoire est dans sa réponse apportée en gestion de l'urgence, sous forme de services d'urgence, de SMUR, de réanimation, et puis, comme cela le fut auparavant, avec des lits suffisants en amont et en aval. La crise sanitaire vient abonder dans ce sens. Sur le volet sanitaire, un axe majeur est à réfléchir sur le recrutement du personnel et de sa fidélisation, fuite majeure des professionnels et manque de postulants. À titre d'exemple, rien que sur le CH d'Alençon, il manque 43 IDE, les infirmières diplômées. Sur le CHU de Rouen, ce sont au moins 70 IDE. Pourtant, notre organisation syndicale n'a cessé de le pointer quand la région a fermé des IFSI et des IFAS il y a quelques années. Sur le volet Ségur, des plans d'investissement, de reconstruction et d'extension d'établissements, c'est très bien. Cependant, quels professionnels travailleront dedans? Tant que les conditions de travail ne seront pas améliorées, les difficultés de recrutement seront toujours aussi difficiles. Redonner du sens aux soignants, qui, par définition, prodiguent du soin. Or, à ce jour, chaque professionnel est contraint de s'engloutir des protocoles ou des procédures administratives propres à chaque service. Non pas qu'ils ne devraient pas exister, mais devraient être largement assouplis. Un soignant n'est pas un technocrate. Concernant les services d'urgence, il faut bien garder en tête que l'accès aux soins d'urgence est la vitrine de l'accès aux soins en général. Sa qualité d'accès conditionne son attractivité et renforce le sentiment de confiance d'une population à trouver des soins adaptés, spécialisés, programmés, mais surtout d'urgence. Cette confiance rend une ville et un territoire attractifs, tout comme l'accès de proximité aux services publics et aux écoles. Je vous remercie. Le groupe FO votera l'avis. Merci Maud. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas et je n'en entends pas. Jocelyne Ambroise, est-ce que tu désires... Non? Reprendre la parole? Pas du tout. Donc je soumets au vote. Le scrutin est ouvert. Et dans l'hémicycle, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Encore 10 secondes et on a la fin du scrutin. Le scrutin est clos.
Il y avait 57 pour, d'accord. Donc, le projet d'avis pour, sur permettre l'accès à la santé des Normands sur le, tout le territoire est adopté par 115 voix pour et 2 abstentions. Je vous remercie. Et pour ceux qui ont très faim, je leur signale que c'est le dernier point que nous abordons. Nous allons examiner le projet d'avis sur le maintien du SRADET et les évolutions à venir du schéma. Ce projet d'avis a été examiné par la commission numéro 3 le jeudi 2 décembre et il est présenté par Jean-Pierre Giraud. Jean-Pierre, tu as la parole. Alors, pour rappel, le SRADET est un document de planification et d'aménagement du territoire régional qui est doté d'une dimension prescriptive. Il établit un diagnostic territorial et fixe différents objectifs et règles en matière d'aménagement du territoire, de climat, d'air et d'énergie, de biodiversité, de transport, de mobilité ou encore de planification et de gestion des déchets. Lors de son adoption en juillet 2020, puisqu'il était approuvé en juillet 2020 par le préfet, le CESER avait souligné l'importance de la concertation menée pour établir le schéma et noté qu'il partageait largement les éléments du diagnostic. Par contre, le CESER avait regretté le caractère relativement peu prescriptif du schéma, ainsi que de l'absence d'un bilan régional des émissions de gaz à effet de serre et d'une trajectoire de réduction des émissions visant à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2020. Ayant été adopté, la région Normandie le SRADET a été bien entendu maintenu et il doit nous présenter un bilan puisque, comme il a été rappelé par la loi, 6 mois après l'élection de la nouvelle Assemblée, il doit être présenté un bilan de ce SRADET. Notez que, par ailleurs, il y a une loi, la loi Climat et résilience du 22 août 2020, qui ont fait évoluer les réglementations et les objectifs. Et donc, on voit bien que la rédaction du schéma doit non pas remettre en cause son économie générale, mais doit en tenir compte, notamment en matière d'artificialisation des sols et de développement des énergies renouvelables. Même si, effectivement, le SRADET intègre des objectifs à moyen et long terme de réduction de consommation foncière afin d'atteindre le zéro artificialisation nette maintenant pour 2050 et qu'une première tranche dans les 10 ans doit permettre de réduire de moitié cette consommation. Et même si, effectivement, la région Normandie avait déjà mis une règle visant à la réduction par deux de la consommation foncière entre 2020 et 2030 par rapport à la période 2005-2015. Et puis d'autre part, cette même loi prévoit la déclinaison des programmations pluriannuelles d'énergie en objectifs régionaux de développement des ENR. Et si sur ce point, le SRADET normand fixe déjà un objectif de 32% d'ENR, dans la consommation énergétique finale en 2030, conformément aux objectifs nationaux qui étaient à l'époque de la TEPCV de 2015, il faut savoir que cette nouvelle loi augmente à 33% cette part et d'autre part, elle oblige à la création de comités régionaux de l'énergie afin de réunir les acteurs et les collectivités sur le territoire régional autour des objectifs et de développement des ENR qui seraient inscrits dans le SRADET. Alors, par rapport au bilan, le bilan établi ne peut pas être exhaustif puisque, compte tenu de l'adoption récente encore du schéma, sachez qu'il y a 93 indicateurs, que sur les 93 indicateurs, 72 ont été renseignés et certains indicateurs, notamment concernant des enjeux de suivi majeur, seront actualisés tous les ans. Mais que certains autres seront actualisés tous les 3 ans. Le CESER souligne la présence d'un bilan des émissions GES, des gaz à émissions d'effet de serre du territoire régional. Rappelez que c'est 31,5 millions de tonnes équivalent CO2 en 2018 qui ont été émis. Un indicateur concerne le stockage annuel de carbone estimé à 2,3 millions de tonnes, et notamment par les prairies et les forêts.
de nombreux indicateurs permettant un suivi des différents enjeux majeurs pour le territoire régional en matière de logistique, de transport, de mobilité, de qualité de vie, de consommation foncière, puisqu'on voyait bien que l'artificialisation est un problème important. J'en profite pour dire que l'EPFN, puisque je représente le Césaire ou CESA de l'EPFN, regrette par ailleurs que justement sur le fonds Friche, la lisibilité de cette convention, on nous dit qu'elle sera signée au premier semestre 2022 et que les acteurs locaux souhaiteraient qu'elle soit signée le plus rapidement possible pour justement mobiliser les friches et ne pas artificialiser les sols. En matière d'indicateurs, le Césaire note qu'il serait intéressant à moyen terme de disposer d'éléments de comparaison avec d'autres régions. Par ailleurs, il considère que la thématique de l'eau ne comptant qu'un seul indicateur nombre de sages, un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau mis en œuvre, mériterait d'être appréhendée plus largement, notamment en ajoutant un ou des indicateurs relatifs à la qualité des eaux. Enfin, le bilan souligne que la consommation énergétique en Normandie était en légère croissance depuis 2012, allant à l'encontre des objectifs de réduction de la consommation énergétique, puisque c'est de moins 20% en 2030 et moins 50% en 2050 par rapport à 2012, et qui sont liés à l'objectif de neutralité carbone pour 2050. Ces indicateurs, comme tous, celui relatif aux émissions de gaz à effet de serre en baisse de 10% depuis 2005, mais reparti à la hausse depuis 2012, suggère l'urgence des enjeux de transition climatique énergétique à plus forte raison si on considère les alertes qui sont apportées dernièrement. Le Césaire suivra avec un grand intérêt le plan d'action en matière de lutte et d'adaptation au changement climatique qui doivent être adoptés courant 2022. Il souligne notamment que la consommation énergétique liée au numérique appelle à être considérée avec attention dans ce cadre. Le Césaire a déjà eu l'occasion de souligner que le schéma mettrait du temps à produire ses effets, on est sur du temps long, mais il considère qu'il pourrait être opportun, en fonction d'évaluation de l'atteinte des objectifs poursuivis, d'intégrer des conditionnalités environnementales dans les différentes subventions et aides régionales afin de contribuer au respect des objectifs fixés par ce Stradet. En conclusion, ces observations étant formulées, le Césaire prend acte de la présentation du bilan et de la mise en œuvre du maintien du Stradet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Jean-Pierre Giraud. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Oui, Bénédicte Pinault. Est-ce qu'il y aura d'autres demandes? Donc, Bénédicte Pinault pour la CGT et à l'ancienne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, le Stradet, ce document de planification et d'aménagement du territoire régional sur lequel nous avons déjà porté une appréciation en décembre 2019, sera donc maintenu. Après les élections régionales, il aurait pu être modifié, révisé ou abrogé, mais il faut reconnaître qu'après un temps d'existence aussi court et une continuité politique au sein de l'exécutif régional, il ne faisait guère de doute qu'il en soit ainsi. Cependant, comme suite à une obligation légale, dans les 6 mois suivant le renouvellement du Conseil régional, il doit être présenté un bilan de mise en œuvre du Stradet en cours. Cette disposition présente indéniablement un intérêt. Mais bien sûr, avec un temps de mise en application aussi court, difficile de tirer un bilan complet et de mesurer l'efficacité des mesures proposées pour atteindre les objectifs fixés. Néanmoins, il faut tout de même reconnaître que la mise en place de 93 indicateurs, dont certains sont déjà renseignés, atteste du bien fondé des remarques et suggestions qui avaient été faites dans l'avis du Césaire exprimé lors de la première présentation du Stradet. À cette époque relativement proche, notre groupe CGT, à l'instar du Césaire, avait regretté le caractère peu prescriptif du document. Aujourd'hui, un certain nombre de territoires ne sont toujours pas dotés de SCOT ou de PLUI, et cela, sans aucun doute, nuit à l'efficacité du Stradet. Il suffit de regarder les exemples cités dans l'avis, ils sont très explicites. Alors,
Puisque la loi climat et résilience de 2021 va conduire à une évolution du SRADET en 2022, gageons qu'à l'occasion de cette mise en adéquation du schéma avec des obligations imposées par la loi, que les préconisations et remarques du CESER soient prises en considération. Il en va ainsi du renforcement du caractère prescriptif déjà évoqué, mais aussi de l'intégration des conditionnalités environnementales dans les différentes subventions et aides. Partageant les propos exprimés dans l'avis du CESER, le groupe CGT le votera favorablement. Merci Bénédicte. Je donne la parole à Valérie Rubacoutier. Donc pour le syndicat CFTC, le renouvellement récent du Conseil régional a pour conséquence législative de nécessiter un bilan de l'action régionale dans le cadre du schéma. Adopté en juin 2020 par la région Normandie, le SRADET définit un projet de développement durable du territoire normand au travers d'objectifs et de règles déclinées à moyen et long terme avec une vision stratégique mais aussi opérationnelle. Si l'on peut se féliciter de l'initiative prise par la région Normandie d'élaborer un dispositif de suivi et évaluation du SRADET, la CFTC regrette pourtant que le bilan présenté ce 9 décembre aux conseillers du CESER ne soit finalement qu'une confirmation d'intention. Nous ne doutons pas qu'un temps long est très certainement nécessaire et que les quelques 93 indicateurs définis pour le moment permettront à l'avenir un suivi des différents enjeux majeurs pour le territoire normand. La CFTC souligne pourtant l'intérêt apporté si, dès maintenant, l'analyse de 3 ou 4 indicateurs était suivie de plans d'action, dans un temps court cette fois, afin d'encourager les initiatives et permettre des éléments de comparaison avec d'autres régions. Les gaz à effet de serre ou la consommation énergétique sont suivis et identifiés depuis suffisamment longtemps maintenant pour passer à l'action. Merci. Merci Valérie. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Eh bien Nathalie, si tu prends la parole. Merci. Non, ce n'est pas Nathalie Sarge. Oui, mais ça arrive, ça. Effectivement, j'ai eu des doutes sur d'autres conseillers. Donc, pas d'autres demandes de prise de parole. Donc, je soumets au vote et le scrutin est ouvert. Dans l'hémicycle, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le scrutin est clos. Donc, en distanciel, 51 pour et 3 abstentions, et dans l'hémicycle, 57 pour, ce qui nous fait 108 pour. Et 3 abstentions. Le projet d'avis concernant le maintien du SRADET et l'évolution à venir du schéma est adopté à la majorité. Et je vous en remercie. L'ordre du jour est épuisé et nous avons très faim. Je vous remercie de votre participation active et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et un bon retour, bien évidemment. Et à l'année prochaine.